Re, salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, enfin bienvenue, pas forcément, bienvenue, euh, re, sur Magic Arena FR. J'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon midi, une bonne matinée avec Val, pour cette bonne matival. Et j'arrive et je vois le message avec une bonne saucisse. Et bien, euh, oui, c'est vrai que le Célo le lentille, toujours avec euh, des bonnes saucisses, mais euh, seront-elles bonnes ces saucisses Seront-elles présentes euh, exercice de diction d'ailleurs, seront-elles bonnes ces saucisses si vous voulez, euh, vous voulez vous entraîner un petit peu? Voilà, let's go. La transition c'est beau, ah, mais c'est calculé à nous, c'est à dire que nous ça fait quand même 4 ans qu'on fait des transitions, on ne fait que de la transition. Donc à un moment donné, tu arrives euh, sur un, une forme, une forme d'art euh, finalement, quoi. Hop là, voilà, ça c'est un booster euh, Metazoo qui est juste dans un petit Magic Card Case. Ça régale, ce sera montré évidemment lors d'un stream. Collection que je vous prépare. J'ai deux trois trucs un peu jolis à vous montrer, euh, mais il me manque deux trois pièces qui vont arriver dans les euh, dans les dix jours qui arrivent et je vous ferai un petit truc sympathique pour vous montrer tout ça. Puis ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir. Comment ils vont comment ils vont cela euh, Bonne bonne route Val. Si tu euh, si tu roules, euh, bon après-midi. Si tu ne roules pas et bonne route et bon après-midi si tu roules et que tu passes une bonne après-midi. J'en ai plein de lives de pile pour monter de je suis juste rincé tout propre en fait, mec. Tout propre. Tout propre, pas besoin de prendre de douche tellement t'es rincé là, Mbenou. Kikik, uh, Human Bird. Tu as fait signer un booster metazou par Ted Gary, du coup. Euh, alors par Texas Ted. Euh, ouais. Si c'est lui. Si c'est un autre, non. Du coup. Euh, moi, ça va très très bien, euh, Barco et toi. J'espère que c'est la forme. Alors, j'ai euh, une journée un peu long, plein de trucs à faire euh, et du coup il faudra que je vous laisse vers 16h, enfin vers 16h, à 16h max parce qu'à 16h30 je vais j'ai rendez-vous chez Oftalmo, checker si les mirettes elles vont bien ou si euh, ils montre un bonhomme, et moi je dis que c'est un E, c'est que ça va pas du tout. Donc voilà, 16h, il faudra que je, que je décale, mais on a le temps de se faire un petit cello lentille et peut-être de commencer un petit draft qu'on finira hein, sur notre stream ou de le finir si on fait double 03, hein, ça peut aller très très vite. Mais euh, mais voilà euh, pour le le programme cet après-midi et si j'ai des petits coups de mots, petites euh, il baisse de régime, c'est normal. Euh, les journées sont, euh, sont bien chargées en ce moment-là. Depuis, euh, depuis en fait, depuis les vacances, les journées sont euh, blindées. Donc, euh, c'est l'inverse, normalement, de ce qu'on fait en vacances. Mais, euh, mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y, y a plein de trucs à faire et c'est très cool. C'est vraiment à chaque fois. Fait... Ah, ok. Romain 109, avec un énorme plaisir, du coup, de t'avoir sur ce chat. C'est bien de je parlais, ouais. Et je savais pas qu'il s'appelait Gary. Euh, il m'a dit Texas Ted, je me suis dit, bah let's go, c'est Texas Ted quoi. C'est sa, sa, sa vraie identité, ça ne, veut pas, ça ne peut pas être un pseudo. Ah, et du coup, du coup qu'est-ce qu'on va faire du coup, On va tweeter déjà, avant de lancer un petit scellé. Euh, attendez, 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 là, oh oh, une seconde. Tweeters. on va Discorder aussi. Oula, mais je vous ai aime pas de musique, mais putain, qu'est-ce que je fous Moi, j'ai le live de Val, que je peux pas rien, comme ça. Tomb Raider, hein Galage criminel Non Tombolo, ah, quand même bon. On avait une petite playlist Lofi Beats de 40 heures, là. Pas de son Sur les caches comme à Marseille. Ah Un petit son tout doux. Vous entendez petit son tout doux euh, alors on va sur Valple. Better behaved bot. Nous avons rendu la modération des comptes de passage plus facile. Sans aucun doute. Annonce. Euh... Hop, chaîne twist. Bim. At ear. Continue le live avec Célé au Lentilles. Viens dévoir. Hop là, c'est posté. Twitter, tweeté. Bim. On va mettre une majuscule parce que c'est pas plus cher de mieux écrire. Je dis ça alors que j'écris dé, mais bon. Vous l'aurez compris, c'est de l'humour évidemment. Tweeté. Let's go. Et on est pas mal là. Garry, c'était le collectionneur Dracofeu. à gauche de Texas. Ah ok. Ah mais oui. Allez, je suis charizard king, mais je suis con. Je suis juste, euh, juste du père là, Robin. Euh, paf. On est bon. On est bon. Pelle, tu aurais des conseils pour un débutant qui a envie de tester les drafts mais qui hésite parce qu'il ne connaît rien aux cartes. Trinda, le beau jeu. Déjà, si ton pseudo vient de League of Legends, Trinda, c'est pas le beau jeu. Mais j'aime bien le personnage, donc j'accepte, je valide. Des conseils, euh, as envie de tester les drafts Alors déjà, est-ce que tu as envie de tester les drafts sur arena ou en papier Parce que c'est, suivant ce que tu veux faire, je vais pas t'orienter vers le même, euh, vers le même, euh, même cheminement, le même truc. Et une fois que j'ai donné les petits conseils à Trinda le Beau Jeu, on va partir sur euh, le paquet scellé du coup, sur arena. Alors déjà, tu fais bien parce que ça va te coûter moins cher. Ben, ça peut ne rien te coûter du coup, alors que ben, en papier, ça va forcément te coûter. Euh, un petit 10 le dieu. Euh, sur arena, si tu veux commencer à découvrir le format draft, alors bah déjà si tu veux faire du new Arena, c'est dans deux semaines puisque le format avec les bots sort dans deux semaines et je te conseillerais, bah même, c'est pas je te conseillerais, je vais t'interdire de faire autre chose que du draft rapide. Je switch sur le jeu. Wow, comme disait Wall Winston. Pif paf, on passe à l'attaque. Draft rapide. Tu fais du draft rapide pour découvrir parce que c'est pas cher et que c'est beaucoup moins punitif. T'as pas besoin de faire un certain nombre de victoires. Enfin, dans tous les cas, euh, il faut faire le maximum possible de victoires pour te rentabiliser, mais euh, en draft majeur ou draft traditionnel, c'est vraiment important de faire un minimum de victoires, vu le prix que ça coûte, alors qu'en draft rapide, pff, les gemmes c'est de l'eau. Du coup, tu vas faire du draft rapide. Si tu veux commencer, tu peux maintenant. Euh, alors, il y a qui néons encore pendant 3 heures et quelques. Ensuite, ça va switcher sur un autre format. Je ne sais plus lequel c'est, mais je l'avais lu. Puis. Euh, tu, ça va repasser sur euh, New Capena dans deux semaines, donc euh, vendredi dans deux semaines. Ça te, exactement comme dit White ça te laisse le temps de lire les cartes, surtout si tu les connais pas, et même si tu joues en construit ou quoi. Je pense qu'il y a plein de communes en co que tu connais pas, donc c'est important de lire. Et euh, le draft, ça se, ça se gagne avec des communes et des zones co. Ça peut se, se voler avec des rares et des mythiques, mais voilà, le, la grande partie de ton deck, c'est normalement des rares. Euh, et des, euh, et des euh, pas des rares, des communes et des unco donc c'est important de les connaître et de savoir ce que ça vaut et tout ouais, c'est peut-être Kaldheim, au du coup, draft rapide, qu'est-ce qu'on fait euh, on va drafter, on va bien lire les cartes on va regarder des petits guides par-ci par-là, peut-être pour dégrossir si tu n'as jamais jamais drafté euh, regarde nos vidéos tuto draft au moins euh, les deux premières qu'on a faites elles datent un peu sur un format qui n'est enfin, pas actuellement sur Arena, mais c'est pas grave les conseils qu'on donne dedans sont très bons et euh, si jamais tu veux aussi, il y a un tuto paquet scellé qui est sorti récemment, qui est euh, très très bien fait. Je ne dis pas ça parce que c'est nous qui l'avons fait, mais il se trouve que c'est nous. Du coup, si jamais tu veux aussi le regarder, le paquet scellé, ce n'est pas la même chose que le draft, mais ça t'aide beaucoup. Ça t'aide beaucoup parce qu'il y a des conseils qui se. Bah, c'est un format limité comme le draft, qui se répercutent sur l'un et sur l'autre. Donc voilà, n'hésite pas. Euh, à checker les deux, ça fait pas mal de contenu à regarder. Mais euh, si tu veux, pour le paquet scellé, tu n'as qu'à regarder les, les, 20, les 15 premières minutes où on explique du coup tout, euh, tout, tout le déroulé, comment on fait, comment on réfléchit et tout. Et je pense que ça te dégrossit pas mal. Et, euh, et regarde aussi du coup les, les, euh, les, les vidéos du coup sur le draft, c'est encore plus important du coup. Sur notre chaîne YouTube, exactement, Trinda. Hop, je te mets le petit lien. Hop. Tu vas retrouver la vidéo pas cassée il, il y a pas longtemps et tu tapes tuto draft valet pl il va te il va pop euh, très très vite quoi. Premier draft que j'ai fait 3-3 après j'ai regardé votre vidéo j'ai fait deux fois 1-3. Après genre le draft euh, ça ne se joue pas seul ça se joue à 8 donc faut savoir aussi que même si vous avez euh, vous êtes bon drafteur si euh, le mec à votre droite et le mec à votre gauche ils font n'importe quoi vous, vous aurez un deck bizarre voire nul à chier. enfin euh, si vous n'êtes pas euh, quelqu'un de très fort donc ça, même avec des tutos etc., ça, ça peut arriver. Ou alors en suivant les tutos, il se trouve que là, le draft, le, le siège où vous êtes, il est un peu particulier. Il faut le drafter euh, d'une façon un peu spéciale et vous n'avez pas l'expérience, euh, les, euh, les compétences entre guillemets encore pour, pour vous adapter à ça. quoi. Donc euh, typiquement, vous partez sur une table où personne ne prend les antibêtes. Vous suivez nos conseils, vous dites ok les antibêtes, c'est bien de les prendre au début vous prenez 15 anti-bêtes, du coup vous vous retrouvez avec zéro créatures, et, euh, et là en fait vous avez suivi nos conseils, mais comme les gens en fait ne prenaient pas les anti-bêtes, ça ne servait à rien de les prendre tout de suite, puisque vous les laissez dans tous les cas, donc autant prendre des bonnes créatures et récupérer les anti-bêtes après. C'est un exemple un peu grossier, mais pour que vous compreniez un peu le... ce qui peut se passer, Genre, je vous garantis pas qu'avec le tuto, c'est gagné, il faut de l'expérience, il faut jouer, il faut comprendre, chaque format est différent, nous on a fait un tuto général, mais si on faisait un tuto pour chaque format de draft, vous verriez que il y a beaucoup de choses différentes à faire. Euh, typiquement, là, je peux vous dire que pour le draft euh, euh, New Capena, euh, c'est un, un, une extension tricolore. Mais il faut jouer bicolore splasher. Un peu comme dans pas mal d'extensions en fait. On cherche vraiment deux couleurs, on se cale sur les deux et on va chercher la troisième en fonction des cartes qu'on nous passe, etc. Mais alors que là, il y a plein de gens qui prendraient trois couleurs. Let's go, on teste des trucs, et puis on va rosser. Euh, et ça, euh, typiquement, bah, si on doit parler en général, bah, on va vous dire de drafter 3 couleurs dans une extension tricolore. Alors que là, pas forcément, vous voyez. Kamigawa, c'est une extension plutôt bicolore, mais on peut très bien faire des decks 4 ou 5 c'est value, comme dit Mikado. Euh, coucou Mikado, merci encore d'ailleurs. Euh, si tu es le Mikado que je connais, euh, merci encore pour le week-end à, à Panam, c'était vraiment euh, euh, aux petits oignons, c'était top. Du coup, euh, il l'est, oh exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de Mikado de toute façon en France. Salut à Ninja, salut à tous. Du coup, voilà. Euh, un peu pour te dégrossir, euh, Trinda, le beau jeu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, mais ça te donne un petit peu l'envers de décor, ce qu'il faut faire. Et euh, ben, en fait, n'aie pas peur de faire 0-3. Ne te dis pas, oh, c'est de la merde, le drop, c'est pur chez Code et Land. Je ne veux plus jamais faire un format de con. Alors, tu peux penser que c'est un format de con, mais euh, prends en compte que en fait, là, si t'as l'impression de savoir jouer à Magic, parce que tu joues un peu en construit, ça fait un moment que tu joues un peu, tu vas découvrir peut-être le format limité, te prendre 0-3. Dis-toi qu'en fait, c'est comme si tu réapprenais à jouer à Magic. C'est comme si tu changeais de format, tu vois. T'as beau jouer un peu en standard et tout, je te donne un deck moderne, euh, tu le connais pas, tu fais, tu fais 0 victoire. Euh, ou en tout cas, pas beaucoup. Faut le prendre comme ça, le format limité. Même si on se dit bah, c'est plus facile, c'est des communes, des zones co, les cartes sont moins compliquées, euh, let's go, mais non. Parce qu'il n'y a pas de format dans, en limité. Il euh, n'y a pas de format, il n'y a pas de méta. Euh, enfin, il y a des couleurs plus fortes que d'autres. Mais genre, euh, ton adversaire, s'il joue une carte complètement naze, mais qui sur le coup te nique, bah, c'est la vie. Il l'a drafté, il pensait que c'était bien, il l'a joué, et voilà, ça t'a niqué, alors que tu pensais que c'était. Euh... Enfin, que ce serait pas joué, parce que justement, ce n'est pas une bonne carte. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment particulier. Ça peut arriver en construit aussi, mais plus rarement, quoi. Quand il fait tour en pleine. Euh, tour de pleine voilà vous, vous avez en tête euh, 85% des cartes de, du deck adverse. Alors qu'en limité, euh, bah, toutes les cartes qu'il vous joue, c'est des surprises, vous savez pas s'il les joue. Il peut les jouer dans... parce qu'il joue ces couleurs-là, mais elle les a-t-il En a-t-il des multiples exemplaires euh, Les rares, mystères, les mythiques, pareil enfin, Vraiment, c'est vraiment un autre jeu, une autre façon de réfléchir et tout, et ça joue beaucoup à la bataille de board aussi, ce que les gens n'ont pas forcément l'habitude de faire en construit suivant les formats notamment si vous êtes un aficionado du wild control bah wild control c'est pas, pas facile en draft c'est assez rarement euh, jouable donc euh, donc euh, forcément ça nécessite de, de rapprendre un peu quoi j'ai quoi à limiter avec Noé franchement faut tout reprendre un peu mais c'est ça qui est cool aussi c'est que tu as l'impression de jouer au même jeu donc de jouer toujours à Magic mais tu découvres un format et en fait c'est un jeu différent complètement et c'est ça qui est trop bien mais il faut un petit peu s'accrocher au début ça je peux, je peux vous garantir que c'est pas comme quand tu commences le construit ou tu fais un deck euh, tu, budget euh, d'une de nos vidéos, tu roses des types, euh, tu fais 15 victoires d'affilée, tu dis putain, mais le jeu il est excellent. Il est excellent le jeu. Là, euh, tu regardes nos tutos, euh, tu regardes un peu les cartes, tu dis ok, j'ai compris. Tu fais 1-3, tu fais ok, j'ai pas compris. Après, prenez en compte que le b 1 genre des fois il y a des matchs que vous auriez gagné 2-1, mais euh, en perdant la première, et comme bah, vous faites du b 1 bah, vous perdez juste la première et est fini. Donc. Euh... Prendre en compte aussi ça quoi. Voilà votre Inda. J'espère que du coup j'ai répondu à tout ça. c'est si encore des questions, n'hésite pas. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. On va partir pour du paquet scellé, donc on aura le temps de discuter. Avant ça, dans la boutique, qu'est-ce qu'on fait euh, Tiens, je vais le mettre dans le titre. Euh... Hop là, le code arena, play SNC et patch up. Alors play SNC, je vous le tape. Mais euh, bon, c'est... Je ne peux pas l'utiliser puisque je l'ai déjà utilisé. Vous gagnez 3 boosters et patch up, vous gagnez 4 niveaux sur votre passe de maîtrise. Let's go. Euh, bundle de joker, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça. On a fait des vidéos pour en parler, etc. Si vous n'avez pas vu, c'est pas grave, mais je vous le dis maintenant. N'achetez pas ce bundle de Joker. Achetez. Euh, c'est où. Booster. Pour le même prix, en grosso modo, achetez 45 boosters. Surtout en préco, vous avez euh, un, petit, euh, une petite carte, euh, un petit style de carte. Achetez ça s'il vous plaît. Vraiment. N'achetez pas ça. À moins que vous ayez... Toutes les cartes du jeu. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une extension où il vous manque des cartes, genre il vous en manque une cinquantaine, du coup, pas, pas juste 3-4. Acheter des, des packs de boosters, c'est beaucoup mieux que des bundles de joker. Et même si sur le coup, vous avez l'impression d'avoir moins de jokers, sur le long terme, ce sera beaucoup mieux. Les boosters mythiques, c'est un booster plus cher où il y a forcément une mythique ou, euh, ou un joker rare ou mythique dedans. Oh. D'ailleurs, j'ai pas eu mes récompenses là de. Les 4 levels. Ah Voilà Oh, l'arbre de maîtrise, je ne vais même pas aller le voir d'ailleurs. Mais pourquoi tu prendrais des jokers si tu toutes les cartes du jeu euh, bah, Parce que l'extension euh, vient de sortir, gardevol. Enfin, je dis si vous avez toutes les cartes du jeu. Bah, genre, par exemple, là, vous avez tout New Capena, mais vous avez besoin de Ben bah, N'achetez pas New Capena achetez genre 50 boosters de que vous n'avez pas, tu vois. C'est dans le titre, Argolimpus, c'est patch-up, second code. C'est quoi ça? Skin de carte. Et ça, c'est les avatars? Ok. Oh, je prends le bandit masqué. Et les fêtards galants. C'est les fréos. Euh, Alors, je pense, ouais, faut que je commande une, une boîte de booster. D'ailleurs, j'avais jusqu'à hier pour acheter en prix de précommande. Je suis un con. Euh. Du coup on fera sûrement un petit opening de booster collector sur la chaîne euh, quand je la reçois du coup. Non mais c'est même pas c'est même pas worse. C'est pas worse du tout Velcro Vélo. Ça n'est jamais worse. enfin Ce C'est worse entre guillemets quand t'as déjà toutes les cartes du, du jeu et qu'il ne faut que des Jokers, et du coup c'est plus rentable d'acheter ça plutôt que des boosters. Si vous avez euh, déjà tout. Mais c'est que dans cette situation-là. Et à mon avis, vous êtes peu nombreux. Et quand je dis tout, c'est pas tout le standard, c'est tout Magic Arena. Du coup, imaginons que vous avez tout le standard, bah, achetez 50 boosters d'une extension euh, d'historique. Et ben j'ai pas encore joué The Fréo. On va partir maintenant en Seleno New Capena. Que j'ai pas mal pratiqué du coup, puisque avant-première maison, avant-première pas maison, boutique à play-in. Euh, on connaît. Deux landes, ça nous enlève deux rares de notre euh, paquet. Mais ça nous permet de splasher potentiellement des couleurs. Ça le fait. Hier en draft d'ailleurs, j'ai fait un petit draft hier soir. Je ne vous ai pas attendu, désolé. Euh, j'ai fait un 3. J'ai perdu sur 3 mythiques. Euh, C'était très désagréable. Mais, euh, mais sur mes 3 rares, j'ai une mythique éclatée au sol et deux, deux land. Donc j'ai joué euh, avec des co-union co. Euh, et ben, je peux vous dire que les mythiques et sont fortes. Vivienne, euh, tous les tours une 4 4 euh, C'est une bonne carte en, en limité sur Alchemy c'est worse quand il te manque pas de cartes de Kamigawa. Euh, bah ça dépend si tu fais de l'alchimie ou pas quoi. Si t'en fais pas, non. Si tu fais de l'alchimie euh, c'est le seul moyen de récupérer la carte Alchemy, donc pourquoi pas ouais. mais justement j'ai pas grand chose avant la sortie dernière sur Mac. donc bon, Je me souviens pour en finir un deck explorer. Ouais en plus, ouais je dis euh, des trucs historiques, mais du coup ça marche pour Explorer aussi quoi. On a Espion Sanguine, Outsider Tenace, on a deux rares dans enfin dans la même couleur c'est Inertopierre qui est ok. Ouais, on a des bonnes cartes. Hein. Bon, on n'a que 4 rares du coup, parce que c'est de l'Andes. C'est long. Enfin, c'est long. On les jouera pour fixer, mais ça compte pas quoi, pour des rares. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on commence par faire Pour voir ceux qui ont regardé le tuto paquet scellé. Quelqu'un disait d'ailleurs qu'il avait vu que ça l'avait beaucoup aidé, donc ça régale ça. Oh, j'ai pas eu ton message, Goulix. Excusez-moi, je, je ne fais que parler, là. Je, je n'ai point, point eu tout ça. Jure de l'ombre, tout nouveau papa une petite fille qui porte le prénom d'une carte, sauras-tu la trouver Ah, franchement, c'est dur, quoi. Sans, sans, sans indice, Goulix, euh, c'est chaud. Exact, Eric Exact. Au oh, coucou à toi, Eric d'ailleurs, qu'on a croisé la play c'est très sympa. Et quoi le nouveau mode de jeu Explorer C'est comme le Pionnier, mais avec les cartes disposées sur Arena. Donc, euh, toutes les cartes qui sont légales en Pionnier, mais présentes sur Arena. Donc, il manque des cartes pour être vraiment le format Pionnier. Et à terme, avec l'ajout de nouvelles cartes, le format Explorer deviendra le Pionnier. Une carte de standard. Est-ce que c'est un Planeswalker déjà Merci, euh, Velcrovelos. On tout paiera en premier, exactement pas plus pour ça. Une créature. Alors là, je pense que c'est une créature légendaire, du coup. Hum. As-tu déjà fait un 7-0 euh, Sur Capena, bah, j'ai fait qu'un draft qui a fait un 3 donc non. Euh, en limité, euh, j'en ai déjà fait plusieurs fois. Ouais. Ah bah, je me suis bien entraîné en regardant deux fois vos vidéos. Top. Est-ce qu'il y a une présentation du punir pas de line, mais légendaire, oui. Ah euh... oh, putain, c'est dur, Goulix. Hein. Il y en a beaucoup. Ah, Thalia. Talia, Talia c'est joli. Je ne ça pas pas de un hein. pionnier. Je crois pas, The Mon avis, non. De toute façon, ça ne sera pas avant un moment. Donc, euh... donc euh, non, je pense qu'au Au contraire, ça peut que dynamiser le format, c'est bien. Les points play-in Mendoza ce sont des points euh, qui te servent à participer à des événements play-in. Euh, qui sont des événements qui permettent de te qualifier, des espèces de tournois en fait sur Arena qui permettent de te qualifier directement à, euh, à des événements soit des Arena Championship, soit des pro tours, ce genre de trucs. Salut Péconia. C'est Talia Et eh ben c'est très joli. Félicitations Goulix Donc, créature blanc, ben, on peut taper créature parce que là il n'y a pas de, de truc chelou. Euh, non, il faut que je mette... Des créatures choix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 créatures blanches et elles sont bien elles sont vraiment bien elles sont réparties sur la courbe c'est cool en bleu 1 2 2 ben ben pas beaucoup de créatures bleues du coup 2 elles sont décentes on va dire en noir 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elles sont OK. En rouge 4. Waouh. C'est pas ouf. En vert 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc bleu, noir, vert. C'est ce, sont... ce ne sont pas des couleurs présentes, euh... enfin, représentées une extension. Qu'est-ce qu'on a en multicolore On a blanc, bleu. Blanc, noir, vert. Pardon, j'ai dit bleu, je crois. Il en faut combien pour les pro tours euh, Je crois qu'il t'en faut genre 30 pour participer à un tournoi qui te qualifie. Et ensuite, euh, si tu es qualifié au truc, là, euh, ça te permet de te qualifier à des pro tours et tout. C'est euh, pas juste t'as assez de points, tu fais un pro tour. Tu as des points pour te qualifier à un truc, enfin pour participer à un truc, qui te qualifie à un autre tournoi. Et ce tournoi-là, lui, te qualifie au, au truc YouTube. On sera blanc-noir, c'est clair, pas sûr. Ouais, on va voir, le vert est pas mal. Elle ouais, cool, est cool cette c'est quoi Desert Days, Arden Records et tranquilos. Ok. On a de Rocco. Bon, les Les... les... les artos sont un peu nuls, le parangon c'est ok. Dueliste discipliné, on a deux, et c'est cossu. Rocco, bon, c'est un peu Mims. un Galan, c'est le moins bon de ce cycle, je trouve. On c'est bien. En des c'est bien. Il descend, c'est pas non plus fou. Si on joue Grixis, c'est pas mal. Ouais. Ok. Salut Peluja. Et oui, je vais, le, je vais la cut le stream et je reprends la suite du coup. J'ai envie de jouer bicolore splashé, mais, euh, mais quelle bicolorité parmi Abzan j'ai envie de jouer Je pourrais jouer euh, Golgari et splashé rouge. Ça m'a l'air décent de faire ça. Ou je pourrais jouer euh, Célestinien et splashé bleu, ce qui est aussi très décent. Euh, je suis parti en BO1. Hein. C'est vrai que j'aurais dû faire du BO3 pour pas qu'il s'allait. J'ai pas pensé. Mais je suis parti en BO hein. J'ai très envie de jouer vert déjà. Le blanc est vraiment cool. Après le noir, on a on a deux rares sympas, mais le noir m'a l'air moins bien que le blanc. Mais du coup, est-ce qu'on préfère avoir euh, capitaine représentant Bandit et réparateur aussi, pourquoi pas Est-ce qu'on préfère avoir euh... Ah, on peut se pâcher euh, rouge aussi si on joue Célestinia pour Rocco et un Galant, mais bon, c'est pas dingue. Deux duels disciplinés. Est-ce qu'en bleu, on a le... le truc qui rend un, un blocable Non, parce que ça marche bien avec le duel discipliné. En fixing, on a deux Trilandes cabaretti Obscur, à courtier pas beaucoup de bilan hein. Là, Un, deux, ah bah, on a combien 1 2 on a 3 ah putain 3 comme ça donc ça donne envie de je veux plutôt euh, June. on peut dessiner en removal ouais les bandons de removal vont nous aider à, à trancher je pense en blanc on a quoi en removal on a rien du tout on a surtout des créatures en blanc en bleu le bleu a trois spells, ok. Bon, le bleu, je pense qu'on l'a éliminé de toute façon. Enfin, ce sera un splash, quoi. On n'a pas forcément anti-bet noir. Pas non plus en rouge. Est-ce qu'on a on n'a pas de fight spell en vert On a très peu danti quasi aucun en fait. Wow, on va la gagner. On a ça qui est anti-bête, mais bon, je vais bande pour la aller chercher. Hmm, voyons voir à quoi ressemble un Jound. Je crois qu'on va jouer ça parce que c'est on a que ça. En rouge, bon, il y a pas grand chose qu'on a envie de jouer là-dedans. Ça, c'est pas mal en vrai. Il y a beaucoup de Buttfly. Je trouve que jouer main deck, ça, c'est pas déconner. Bartleur Rogues, euh... ouais, on accepte. On a 35 cartes, à quoi ressemble la curve On a que 2 drop 3. 2 drop 2, on a beaucoup de drop 3. C'est un peu le problème du format c'est qu'il y a énormément de drop 3 qui sont très bons, mais que les drop 2 sont très importants. En rouge, on splasherait. Ouais, on a des drop 3 à jouer en rouge, quoi. On peut rajouter ça en drop 2. Oh, on a plein de relance, ce qui est pas mal du tout. En faisant des trésors, on peut splasher un truc off-color. Mais genre... Euh, Splasher, quoi. Genre ça, euh, les trucs Bant, c'est mort. Truc Bant et Esper. As 20 pour 3 C'est pas méga fort non plus, je pense, à chez nous. Mon rouge, en fait, il y a, y a pas de créa, quoi. Il y a une... 2-3-4 créa, mais bon c'est que des drop 3, on a déjà plein de drop 3. C'est pas... C'est vraiment, vraiment léger. Ça, avec les trésors, on peut se plasher un Rocco. Hein. C'est pas un drop 3 du tout, hein. c'est un truc que tu joues plus tard. Donc, si on veut, on peut. Pareil, quand on est là, on peut se hein. c'est juste un mana bleu. Est-ce qu'on veut une 2-4 haste Je ne crois pas. On peut rejouer, ouais c'est un, un drop 3, on peut jouer un drop 1 pour compléter un peu. Merci beaucoup euh, Trindal le pour le sub. Un drop 2 dans le splash c'est pas fou. Après celui-là il est quand même pas mal de drop 2. Si on fait les trésors et tout. Sinon en là fait, on fait ce qu'on a, on, euh, très honnêtement on a ouvert un pack euh, pas évident. Essayons Bant. drop 2 engagé booncé booncé crocodile je vois peut-être pas deux de ça, ça c'est un peu chiant de pas pouvoir le jouer mais bon on a 45 cartes, on a Pff, pas des masses de drop 2. Pourquoi il a deux brigadiers inspirateurs? Parce que j'en ouvre deux, euh, mr Mark Bay. Il garde ne pas trop couleur. Alors, gardeval, je disais ça pour le draft. Là, on est en paquet scellé. Draft et paquet scellé sur des extensions comme ça, c'est assez différent. En fait, en paquet scellé, tu joues naturellement euh, tricolore. Euh... Dans beaucoup d'extensions, même celles qui sont bicolores. Je donne les conseils du Giro qui dit que c'est sacré préférant. Moi, j'avais avec la 1-2 menace. J'en mets deux bêtes rouges. Après, enfin, j'ai beau avoir deux bonnes bêtes rouges, j'ai deux bêtes quoi. Et. C'est léger quoi. En fait, je vais pas jouer rouge pour ça. Peut-être que je me trompe et que. Genre, la 2-1, elle est tellement forte que... il faut absolument la jouer et jouer rouge pour ça. Mais je pense pas. Et. Oh, c'est une magicienne d'ailleurs. Et à côté de mon rouge, c'est nul, quoi. Ça, c'est nul. Ça, c'est mi-fig. Ça, c'est un effet de voler un truc, on s'en fout. Ça, c'est bien. Et c'est tout. J'ai pas, pas de carte rouge. On a 45 cartes. On enlèverait du drop 3. Ça, du coup, je l'enlèverai. J'ai plein de bons drop 3. Je préfère ce deck, hein. ça je peux l'enlever. Très honnêtement, euh, je préfère le Bans que le Jund. Vous voulez un truc post-victime, ça marche assez bien. Ouais, mais ça coûte 4 quoi. Tu testes noir-blanc après pour voir, et quand tu l'as, 2. En fait, noir-blanc, euh, ça ne va qu'avec bleu. Dans, dans l'extension. Parce que là, pour l'instant, j'en suis pas à jouer des tricolorités qui n'existent pas dans le format. Et, euh, et le bleu, nous, il est très léger, très timide. Euh, et ça ne nous débloquerait que Quesa. Ce qui est pas fou. Mon vert est si fort. Bah, le vert, c'est fort, en fait. extension, Et le vert me donne accès à des, des cartes comme, euh, comme Charme des Courtiers, Dualiste, euh, Adjudicateur de Spara, qui est pas mal aussi. Ça c'est fort, wow, c'est un, un dégât par tour. Quoi. Super Magicien Spectacle. Ah, mais je dis pas que c'est une mauvaise carte, hein, Magicienne. J'ai juste que je vais pas jouer rouge pour ça. Si je joue pas noir alors que j'ai des rares comme Espionne Sanguine et Outsider Tenaz, je vais pas jouer rouge pour Magicien Spectacle. Buvons, il fait soif. Ok, je te fais confiance. C'est toi qui fait 3 Z 2 AP. Ah, on essaye, hein, Mizikaza? C'est pas dégueu, ça, si on met pas mal de marqueurs. Ça aussi. Niveau fixing, on a ça, ça. Euh. On, nos deux on ne les joue pas du coup. Forêt, pleine île. On joue le truc des courtiers. Pleine île, marée. 1, 2, 3. Je ne pas jouer non plus. Je joue plutôt. Pleine forêt. Pleine île, ouais, pleine forêt. Le bleu est splashé. Ah, j'ai moins de vert que de bleu. Ça doit être à cause des... Ouais, parce que j'ai du bleu ici. La carte est assez dégueulasse. De hein. bon, toute façon, il faut cuter encore des cartes. Hein. J'ai assez peu de cartes, donc je vais cuter un land. Est-ce que ça, on s'en bat pas les couilles Ça va être dur à caster en plus. L'ascendance des... Enfin, le charme des courtiers qui met pas de marqueur, c'est assez scandaleux, ça, en vrai. Ça, c'est rincé. On a 40 cartes avec énormément de drop 3, mais bon, j'ai pas... Peu importe les couleurs, en fait, j'ai pas beaucoup de drop 2. Il y a peu de drop 2 dans l'extension, c'est pour ça qu'ils sont si importants. splash le pour les bonnes cartes brokers. Bande splash noir. En fait, là, mon souci, c'est de pas aller chercher un représentant de d'Isatora. Mais c'est vraiment un autre build, pour le coup. Non, on est à 40. On a combien on a, on a 20 créatures. Mais de toute façon, on n'a pas de gestion. Donc, on va passer par le board, non essayons, essayons Essayons, essayons. Petit prediction. Euh... Combien je fais euh... 4. 3, 2, 1, let's go. Tout est bien sur la chaîne Replay en effet. Tweep est sans limite, si vous... sur votre chaîne ce qu'on est. Exactement, Pija. Euh, replay. Euh, alors si t'es sub, c'est évidemment tout dispo sur notre chaîne Twitch hein, dès maintenant. Sinon, c'est avec quelques jours de décalage sur la chaîne Replay euh, sur YouTube. Full gratis. Je vais juste changer l'élan. Attendez. 14-11-8. J'ai un, deux, plan. Oh, je crois que je, je suis pixel comme ça. J'aurais pu jouer plus de fixeurs, mais j'ai ça aussi qui est un fixeur. Ça qui fait des trésors. Et j'ai pas envie... Ça qui pioche, donc ça aide aussi à trouver nos landes J'ai pas envie de jouer trop de land tapés, quoi. J'ai beaucoup de drop 3, je veux jouer un tour 3 au tour 3. Euh, du coup, on va juste jouer des jolies landes. Est bien jolie celle-là. On va prendre un peu de old frame. On va prendre un peu de old frame. Ok. On peut se mettre un petit sleeve aussi. Ça fait plaisir. Ouh là, là. Regardez la barre. Là, le temps qu'elle met à charger. Tous mes sleeves. Okada. Okay, Okada. Yada, yeah, let's go. Hop, l'avatar on ne change surtout pas, même si on en a plein. Et le familier, bon, on garde le nouveau. J'ai prédit que plein de gens vont leur faire n'importe quoi et que ta science de la cœur te donnera raison. J'essaye, en tout cas hier, en euh, voulant tester un peu la science de la cœur en draft. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens avaient des bonnes cartes rares et mythiques, donc euh, c'était un peu dur. En compte, il y a une game que j'ai gagnée, enfin la seule que j'ai gagnée, alors c'est très drôle, j'ai juste mis des Bedfly. Mon adversaire, non. Et j'ai attaqué et j'ai gagné. Juste. Oh, le Felicitation récupéré par Super Skunk says: Now is Felicitation time, like uh, Valentin would say. Uh, I have to speak English with a very good accent. Uh, like. Uh, like Valentin could, uh, could speak. Ce n'est pas une bonne fin, nous n'avons pas la source bleue, nous avons seulement 3 et 4 cartes de mana, donc c'est un mulligan. C'est mieux, nous n'avons pas la source bleue mais nous avons un tour 2, un tour 3, un tour 4, je mets ça en bas. Je peux chauffer ma librairie avec le fetchland, donc c'est bon, c'est bon. The Crocodile des Égouts. Oh The Pied de Biche de Citoyen. He can destroy artifacts or, enchant or enchantement Yes, Minimo. The Felicitation euh... Ask, uh, ask Vol to speak English or ask uh, me to uh, speak English like Vol. Uh, that is uh, that is beaucoup de land. But I have the su suivant du mage which uh, gives two triggers to the mondaine accompagné. Le pet is incre. On regarde d'accord au This Dici ce 4 3. Dici ce for 3 Combat. not fair for well. he wants to improve his english now with the felicitation times uh, i don't know if he want to but i think he have to that's what he said okay so mm. i play the esquimau celebre And I attack with my uh, two creatures, I guess. Ok. Et ça fait trois minutes. Fin du félicitation time. The Blue Source, nice. Famous creatures. Non, on va laisser grossir l'escrimeuse, là. C'est Didas. Ouais, si vous écrivez en anglais, c'est vrai que ça aide aussi. Hein. Merci bien, Jean-Quiche. Je peux crocodile des égouts. Bah, J'y vais, hein. Ouais, faut pas que j'oublie que ça, je peux la sacrifier pour contrer bon, un spell, à moins qu'il paye 1. Bon, celui-là, je pouvais pas le contrer, donc ça va. Il a plein de cartes en main, ce qui m'emmerde un peu. Peut-être que je vais attaquer avec l'escrimeuse. Ici, si je ne veux pas trop dans un angle, un c'est un peu, c'est très haut, c'est gueulé pour progresser. C'est vrai que c'est très très bien ça. 16 euh, Landes, hein. On va puiser fin de tour avec notre lande. Il joue quatre couleurs, Michel. Alors. Bro. C'est vraiment bien ces bilans. Pour le limiter. Bah Dylan, il n'y en reste plus que 6 euh, sur les, les 24 là, donc euh, on devrait trouver des trucs. Je mets deux marqueurs sur quoi Si je mets deux marqueurs sur dueliste, il met des énormes patates. Bon déjà on va le jouer. On va voir ce qu'il me propose. Oh, je crois que je mets sur dualiste. Il a un marqueur bouclier, ça le protégera. Je vais attaquer avec ça. Et ça, en vrai, euh, s'il bloque, euh, il ne meurt pas le dueliste et je lui bien des poutres. Comment ça, mettre des points là, un peu là Puntos. Là de toute façon il est enclin à bioclassic 5 hein, s'il n'a pas de trix de, tricks, de anti bet ou quoi. Mais vu que depuis le début il a joué 2 bêtes sur 17 cartes, soit il a pas de chance, soit il a plein de gestion en main. Ok, hydro 2. Alors en vrai là je vais peut-être pouvoir contrer avec mon ma 1. -1. En draft, euh, j'en mets toujours 17, mais sur arena, j'ai tendance à en mettre 16 quand je joue en BO1. Puisqu'il euh, y a un algorithme de, de sélection de mains qui t'aide à avoir une main correcte. Il crée de 2, 2. En fait, si vous n'avez pas de raison valable pour, euh, pour jouer moins de 17 landes, une vraie raison pas juste genre Jean pioche trop. Je veux 17 landes. B1 arena, petite exception. Souvent t'as... Euh... T'as le secteur de main qui aide quoi. Ok, ça c'est cool. On fait une phase 1 pour trigger ça et voir ce qu'on pioche. Ça ne marche pas dans le ninja sur le massacre. J'ai changé le chat en fait depuis, euh, depuis la paix. Vous me dites si vous confirmez euh, que c'est bien comme ça Oh let's go euh, Je n'en ai plus, non, j'en quiche d'animaux de compagnie. Pas pour le moment. Ça vraiment quand il n'y a pas de gestion ça devient un monstre quoi. Un vrai monstre Vous avez vu ça C'est bloqué, on va tuer à 3-2. S'il fait un spell, j'espère qu'il coûte 2. Et il coûte 2, son spell, c'est bien vu. Je ne pouvais pas lui tuer ses bêtes. Puisque que 7, alors que j'avais 8 et qu'elles ont 2 en cul, c'était mort. Ok. Il n'y a pas de bonne attaque. Gagné! J'espérais qu'il joue une Bedfly parce que sinon je pouvais attaquer. C'était un peu. C'était un peu chiant. Je vais jouer ça parce que je vais attaquer et je vais perdre des créatures potentiellement. Euh, la 6-4 me mange, la 2-3. Donc on va juste attaquer comme ça. En mon dueliste là, il. Il se régale. La de la bête de vol. Ça a rien de jouer mon land. Elle est, euh, elle est pas facile cette première game. Petit chat qui bloque maintenant mon dueliste Qui bloque pas. Par contre, Vincent, euh, mon serveur. Enfin son board ne bloque pas. 5 couleurs avec des basiques, let's go. C'est pas con après, hein. franchement il y a tellement de trucs. Et on galère tellement à trouver des drops 2 que. Qu'on n'a pas trop de quoi lui mettre la pression et lui punir pour sa mana base grid, mais. Mais, euh, mais voilà quoi. sacrée pression le dualiste. Ouais, bah quand il n'y a rien qui le bloque bien, euh, c'est vraiment chiant. Et en plus tu te dis même si je, le... je donne un peu mes bêtes pour le bloquer, bah, je donne vraiment mes bêtes, quoi. Parce que c'est marker shield là. Et que sa phase de dégâts d'initiative ne prend pas le marker shield s'il n'y a pas d'initiative en face. Donc c'est vraiment fort ça. Il a fait quoi Il a équipé à, à jetmire Oh, nice On va faire ça main phase. On va connivre. Je vais engager une bête qui se dégage pas. je suis une carte. Je peux engager deux bêtes. En sacrifiant ma 1-1. Ou ma 2-1 que je viens de poser. j'ai deux cartes. Peut-être pas first pick mais franchement, pas trop la laisser passer, je pense, Didas. Après c'est les retours que j'ai eu, j'ai pas encore assez joué. Pour faire ça quoi. Enfin pour faire ça pour euh, Pour confirmer. Je crois que je vais faire ça, sacrifier ma 2-1. Et bourré. Trop fort avec victime 1 de piocher deux cartes. Conivis c'est un vrai verbe en français pour info. Ok, je savais pas. Oh nice. Oh let's go. De toute façon il n'y a plus que -Land, hein, donc euh, s'il y avait de grandes chances de piocher les cartes actives. Tu win avec ce spell, non? Je vais voir. 3, 4, 5, 6. Je mets 6, euh, ça se dégage pas. Il doit bloquer ça pour pas mourir donc il me donne euh, il me donne sa bête littéralement Et je vais pouvoir les shutdown un bloqueur tour d'après avec les adjudicateurs Ouais je crois qu'on est bien Bon ça va on n'a pas pioché les, les six derniers landes du pack On a pioché carte active Bien joué Ah j'ai pas eu le temps rendre complice en feignant de l'ignorer ou en le dissimulant d'un acte répréhensif qu'on peut et doit empêcher ok est stylé comme définition pas stylé comme mot je sais pas 1-0 on va remettre le score score okay, quelle heure 14 heures je devrais avoir le temps même si les games sont un peu longues de finir le scellé mais ouais lancer un draft ça va être complexe on discutera à la fin je dois vous laisser vers 16h. Neschi. Ouais, ça skip. Je vais chercher Forêt. Quand les deux font ça en même temps, c'est tellement stylé. Ou alors non, je vais jouer pleine, on va voir ce que... Il, euh, on va voir ce que je pioche autour d'eux. Il veut faire quoi ton deck Il veut bourrer, parce qu'on joue 20 créatures sur 26 cartes actives. Sur euh, 24, pardon, cartes actives. Donc on met des bêtes on attaque, on a un peu d'escape avec des bêtes fly, on a des marqueurs shield. Ok, j'ai bien fait de pas poser, parce que je serais allé chercher vert et j'aurais été rect. Du coup là, je vais chercher blanc par contre. Oh, j'aime pas quand il fait ça le jeu, Il fait comme ça avec la carte. Hop, 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 hop. Hop, on lui montre qu'on est fort. Bim. On se rend pas un contre, à moins qu'on paye deux. Et tout ira bien. Parfait. Il se fixe. Oh, C'est léger, hein, le sur ces landes-là, l'indication. La... Là, il s'est un peu en mode contrôle-gestion. C'est relou. Il y en qui mettent une bête pour bloquer. Bah, typiquement, une volosse de bijoux. Moi, je joue mon tour 3. Peut-être une créature attaquante ciblée. Ok. J'ai plus envie de jouer ça, là. J'aurais pu jouer ça. Mais c'était utiliser mon trésor. Pour mettre une 4-5. Alors qu'une 2-2 fly qui se buff. Peut-être que. Ça dépend ce qu'il fait. Ok. Pas une 3-4. Défaut 5 s'il te plaît. Hum. Mmh. Ok, la petite bait. Mettre deux points. Charme des courtiers, j'ai envie de faire les deux premiers effets quoi tout le temps. Premier de troisième plutôt. Inspecteur déco, qu'est-ce que c'est bien comme carte 3-4 vols pour. Enfin, 2-3 vols pour 4, connives. Et si t'as vraiment euh, une carte à défausser dessus, une carte non-terrain euh, C'est 3-4 vols, quoi. Beaucoup... Il enfin, y a pas mal de Badfly, surtout dans les couleurs bantes. Mais mine de rien, les bodies sont assez faibles. Oh putain Heureusement qu'on a ça parce que ça c'est méga spoiler. Hein. Genre méga spoiler. Pas de bloc hein. On va pour aller chercher la 4-5. Ah bah parfait. On va commencer par ça. Cylindre, on va utiliser le trésor détruire un enchantement bon sera ça quand il n'y a plus trop de cartes en main conif c'est moins fort je fais ça qui va empêcher chatterer que de bloquer Conive, quand la créature arrive en jeu, tu pioches une carte, tu défausses une carte, et si tu as défaussé une carte non-terrain, tu mets un marqueur plus en plus sur la bête qui est à Coniv. Drusil. Ok. Nos Puntos. Ça, ça ne sacra pas, ça ne bloquera pas. C'est quoi nuance sur les toits Et GG pour les deux... Cette victoire, plus le chat. Là on a deux, c'est de très bon goût de sa part. 3, 4, 5, 6. Fais ça à son upkeep. S'il la met au-dessus, il la repioche pas ce tour-ci. Ah oui, ouais, bah, je l'ai joué à la game d'avant, ça nous a fait gagner. Ouais. Ah, bah, comme ça, il la repioche pas. Et là, il a un land. Les risques combat sont assez forts dans l'extension, de ce que j'ai vu. Nice. Ah, alors on a plutôt envie de poser des disciples avant de lui mettre les, les marqueurs, parce qu'on est dans une optique de course. On peut jouer ça en blitz. Mettre deux marqueurs sur le dueliste. Après on attaque avec une 2-3 qui bloque et on pioche une carte. Non, on, va, on a envie de garder notre 2-3. On est quand même à 14, il, il a deux cartes en main. Et tu es discipliné en, pour les couleurs bandes c'est peut-être un peu chiant à gérer. Quoique non justement, parce que les couleurs bandes détruisent très peu. Ce serait plutôt si on jouait contre Noir Rouge ou les marques un bouclier, ce serait très fort. Bon, il y a un chum bloqueur. Il nous tue en 3 tours, mais bon, tu es discipliné, ça le tue en 3 aussi, tout seul. c'est une bonne bête pour chum block ou juste pour attaquer gratuitement c'est un peu faible comme commune je trouve il y a deux cartes en main ok allons-y voilà de toute façon on fait la course avec tout je crois Mes 4 points. Donc nos bêtes nous font Scry 1 et certaines nous font Scry 1 draw. Il calcule. Wow, c'est quoi ça il gagne 4 PEV, il a mis une 6-6. Euh, bah, je connaissais pas, l'équipe de nettoyage euh, ils sont costauds. Hein Et moi je droite évidemment. Euh, J'ai moins besoin de bleu. Ok pas mal. Euh, ça j'engage, ça se dégage pas. Ça je garde au dessus. Je vois avec tout. C'est une bonne draw. On va passer de 19 à 5. Et on a un boons. Donc je pense, s'il nous tue pas ce qu'on devrait win la game. C'est gagné. Et bonjour, Thaïsien Savoyard. Score. 2-0. J'ai même pas vu les pourcentages de prédiction. êtes plutôt pour 3 ou moins. Ça marche. Si on gagne en faisant... Euh, en jouant un deck... Euh, pas avec nos rares. On n'a aucune de nos rares, d'ailleurs, dedans, je crois. Il y avait deux rares noirs, Une rare Jund, deux Biland. Qui sont pas du tout dans nos couleurs. Je sais plus ce que c'est ma dernière rare, peut-être qu'on joue une, mais je suis même pas. C'est la puissance qui se passe. Ça ça marche bien, ça marche bien pour l'instant. Ah, c'est Dino et on joue même pas. Ouais, deux mana vert qui va chercher un basique. dans notre deck. En tout cas, je pense que c'est pas très bien. On a joué un million de tour 3. Si on était un peu plus light en tour 3, je l'aurais joué, à mon avis. Ah, vous êtes plus, vous avez mis moins. Ah ouais. Ah ouais, moi j'ai vu que les pourcentages, ouais. Regional de Seven Fallen à Calais. Ouh, mais bon courage, bonne chance, drusil J'ai toujours pas pris quoi, moi, le, le deck pour euh, découvrir un peu. Je vous dis que là, ça va acheter de la carte dans pas longtemps. Enfin, je peux vous dire ça tous les jours, en fait, et la, la phrase est vraie. Oh, on joue contre dennis On a tour 2 qui connive, dans tour 3 qui draw, euh, ça se garde fort ça. 34ème land. Il est pas bleu. J'ai plutôt envie de, de virer un land là. Ok. Mon tour 3, un peu faiblard. Je savais que ça te plairait, Gaza. Salut, Jean Kev bien. Il y a un chum block free, donc euh, on va juste ça passer le tour. Euh, 12 cartes, pas de source de bleu, euh, alors qu'on en a euh, autant que tout le reste, je crois. C'est un peu relou. Source de bleu Yes. J'ai acheté une source de bleu ou pas Non je crois que là j'ai envie de jouer ça. Potentiellement ça tourne après. Ah, on a perdu. If a et oui, on lui donne le vol et un marqueur plus en plus un. Du coup, comme j'ai pas de mal à bleu, je peux pas aller euh, chercher ça. Et c'était maintenant qu'il fallait gérer ça. Petit problème des mythiques de l'extension 1, j'ai l'impression, c'est qu'elles sont écrasantes. Les pleins au sont. Elspeth et, et Vivienne sont vraiment. Euh... Enfin, c'est instant win si t'as genre euh, un minimum de board. Euh, ou alors, si tu joues euh, pas de moi en face, quoi. Il suffit de chum block, ouais, donc euh, c'est un peu de la merde ce que je fais. Enfin, ce que je peux faire. On va chercher une île. On va jouer un brigadier. Mais bon, il va faire voler son board petit à petit. Pas d'attaque, non. C'est un peu dommage. Il va faire plus 1, je vais pas pouvoir aller tuer spet Et puis il va faire 5 ans 3-3 et j'aurais perdu la game. Bon. C'est la vie, En hein, sait les si si euh, boosters, donc t'as des chances d'avoir ça, quoi. Je peux lui engager ça, me prostituer pour aller chercher spet. Enfin, ah, aller chercher, même pas. Euh, réduire. Euh... Réduire les PF de spet. J'ai qu'un mana bleu donc je peux pas rejouer un truc derrière. Man dieu. Il me dit joli. C'est pas. C'est pas ouf Denis non plus ce que je fais. Mais c'est gentil. Il va bloquer avec son mana bleu, il va pouvoir transformer en 5-5. Dans tous les cas, il pouvait me grind 2-1. Ah oh, putain. Ah oh Bah ouais, il bloque, il bloque la 3-2, et je mets que 2. Laisse-le déclencher l'ulti. Mais si je prends 3... Euh, 5, 3, 3, fly, j'ai perdu, ça. Mais... Je match pas ses bêtes en fly. Euh... Même s'il fait l'ulti euh, et qu'il a plus d'aspect, c'est loose, quoi. Espérons qu'il n'y ait que dalle dans la main. Qui est basé sa stratégie là-dessus. Genre là, s'il fait fin de tour en voulant transformer ça en 5-5. Enfin, du coup, avec deux marqueurs en 7-7. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On chatte là, on chatte sur le top deck. Parce qu'on a vraiment pas beaucoup de spell. Allez, n'est rien s'il te plaît, euh, Denis. T'as déjà eu Elspett, euh, Curve vt T5 N'est rien. Joli. Dites-moi spell est morte. Oh putain! Il a l'espace de contrôle. Ça, ça se dégage, ça tue mes bêtes. Ça, enfin, ça les bloque. Oh, il remet deux bêtes, il draw discade. ouais, il a un bon pack. On a essayé, les gars. On a essayé de faire des trucs, mais euh, Penzoalker, je bats pas en bande. Hein. Mais on a fait les trucs, hein. on, a... on a un peu joué à Bonite. Euh... Il a donné le Fly évidemment. Ah, il sait qu'il est juste à ne pas perdre le spet. Je peux jouer à 2-3 en Blitz. Je peux jouer la 2-3 en Blitz, mais... Euh... Bah, il a 3 bêtes, il me bloque les 3. Et, et c'est loose. Il aurait fallu que je tape, je trouve, l'andetta pour jouer ça et tour d'après euh, aller la tuer. Enfin, essayer d'aller la tuer. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On était pas loin. Ah, pas loin de tuer le spet, après il a peut-être euh, autre chose dans son deck. Hmm. Suivante et le blitz ensuite. Ouais, mais elle va passer à 3. Donc, euh, en fait, si j'ai pas tout qui est à 3 de force, euh, ça marche pas quoi. Oh, merci Misekeza qui offre 3 subs. Oh, qui offre 100 subs en tout, merci beaucoup. Ouais, on va jouer ça. On va y foutre dessus les marqueurs. Pas d'attaque. On a plus de cartes en main que lui. On va essayer de faire des trucs. C'est mieux les contrôles. Je suis d'accord. Ah ouais, il a plus de cartes en main. Il a encore un brigadier inspirateur. Qui... Enfin encore un. Il a un brigadier inspirateur. Il a donné vigilance. Va commencer à mettre des paquets. Des patates, pardon. Ouais, bon après, aucun regret, hein, genre c'est le spoiler ultime. C'est une chance que nous n'avons pas eu dans notre scellé. Bon. On perd. On aurait pu aussi l'ouvrir et ne pas. Ne pas la piocher. On perd en deux tours là, non? Oh oui, je pars. Hop. Je peux pas aller chercher le spet. Euh, il transforme son board en, en monstruosité donc. Euh. C'était un On avait déjà une no autre spell. On avait du bottom, euh, un spell qui engage en plus une bête je crois donc. Euh. Donc c'était pas possible. En fait à partir du moment où, <coughs> où il y a plusieurs bêtes qui volent, du coup nous notre plan d'aller chercher en vol c'est mort quoi. Là je pouvais euh, mettre mon crocodile et investir mon mana le tour d'après pour aller la chercher elle spet et la tuer s'il avait aucun anti-bet ou boons ou quoi. Sauf qu'en faisant ça, je meurs juste euh, en l'air quoi. Avec sa 8 vigilance, il me tue ma bedfly, il m'attaque euh, et j'étais mort. Ça manque de land mais. Euh... Mais c'est ok. Ah hein on peut pas aller chercher d'île. Oh merde. Je crois que c'est l'autre. Eh ben... Dans tous les cas, faut chercher des, des landes. Non. Oh non, Suivant du mage. On va trouver le land bleu.

32 points en fly, j'ai un adjudicateur en fin de son tour. Putain c'est costaud cette histoire, c'est costard cette Un ah, jeu de rôle. Ok. On bloquera la jambe bouclielle. Quatre couleurs encore. un peu chiant. Bon, euh... cher là quand même. Je vais continuer de prendre un peu de points de dégâts en fly, c'est pas grave. Et je mets un gros crocodile des égouts qui devrait bloquer son agent boucliel. Un peu moche le marqueur bouclier. Enfin, Celui-là, c'est lisible, mais l'animation, elle est pas très belle. Par contre, ce, le dessin de cette carte, elle est folle. Alors qu'est-ce qui nous concocte Dans ce format aussi, j'ai l'impression que mes adversaires ont toujours cette carte en main. Genre, je joue des cartes, il faut font... ok, d'accord. Alors à moi, draw 5. Je joue mon tour. Coucou Mzir Bonne chance pour la game, merci. Je sais pas si c'est bien ça, j'ai pas l'impression. Je peux pas, je peux pas jouer une bête si je joue ça. Il ce serait pas mal que j'ai une... une bête fly. On va attendre. Pas d'attaque. On a gagné des PEV, 3 ou 4, non 3 je crois. Chaque autre, ouais, 3 PEV. On a de quoi bloquer ses régulatrices céleste. On en a une aussi pour pouvoir bloquer, si jamais. Ok, il a fait ça au cas où il les joue pas ton prochain. Ouais, il était fixé. Je sais pas si ça servait de faire ça. Yep. 5 points. C'est un truc de fou. Je peux pas jouer ma rassembleuse et autre chose. Parce que j'ai trois putains de forêts. J'ai autant de forêts que de pleine et que île, hein, mais. Quitte que d'îles. Allez. On hein. attaque avec ça. 5, 3, 0. Il ne manque pas grand chose pour que la capa coûte qu'un bleu. 5 valeurs de mana différentes pour l'imiter, c'est quand même pas simple. Heureusement qu'il y a les terrains. Peut-être que 4 valeurs de mana différence c'est trop facile sinon Surtout pour le construit Ah putain c'est vrai qu'il donne le vol lui ah, je prends un peu trop cher là Je peux péter son marqueur Shield Je peux faire ça et rassembleuse. Allez. Je ça. Sacrifice ça. Et ça, hein. faire ça il peut me suicider sa 2-3 pour me euh, mettre 4 points et s'il entre truc comment on meurt ça, ça fait quoi que ça, ça fait gagner des pêches je crois 3 points de vie ouais. Dieu qui fait chaud là C'est bon, les joueurs sont lents aujourd'hui. Enfin, J'ai l'impression que le temps passe au ralenti. Ah, mais ça m'emmerde de ouf ça. Par contre, régulatrice, enfin euh, c'est un scellé. Hein. Faut pas prendre les cartes de sa collection. 16 cartes, il y en a trouvé 3. C'est bien joué. Nous voilà 4-4. obligé de chum du coup. Euh... Quoi que non. Soyez intelligent, quand même. Là, j'étais en train d'effer dans ma tête. Bon. On se trouve une île qui permet de faire double régulatrice. Qui n'ont pas de marqueur. Et on est mort. Bon bah 2-2. On joue un peu le même genre de deck, mais euh, il avait euh, Il avait la tempo, c'est un format très tempo. Euh, le draft Capena. Et, euh, et on ne l'avait pas du tout. Il avait des. Des spells qui engagent, des créatures qui engagent. Les 2-3 sont très fortes. Il avait des marqueurs pour trigger. 2-2, bon, ça va être chaud, hein, franchement, pour essayer de faire... Le cas de victoire là. Je partais confiant, mais euh... quoi quoi. La game qu'on contre le Spet en vrai, euh... elle, elle compte pas trop quoi. Genre, il y a juste une, une grosse métier qu'on ne peut pas battre avec nos couleurs. Je vois un peu la fenêtre. Si vous entendez des bruits de merde, vous me dites. Et je m'occupe de leur cas. Oui, on a tellement peu de tours qu'on va dire que c'est une bonne main. Ximen. Vraiment, j'aimerais bien que... Oh, que tout le monde ait ses... des dépêtes adéquates pour faire des entrées comme ça euh, spectaculaires. Courtier. Comme nous. Je vais essayer, musica Si je le fais, c'est pour toi. Oh, l'île, elle est pas moche. Hein. Ça aurait pu être un, un long de jeu d'ailleurs. Ok, on trouve un drop 2. Enfin, quelque chose à faire autour d'eux. J'aurais du jouer ma plaine, d'ailleurs. Oh. Je peux booncer sa valise de bijoux pour draw. Ouais, ça, ça regagne bien d'un tempo, c'est cool. Ma 3-2, elle est un peu mims. Ma 2-3, elle est pas mal, là. La bloc son de draphine, Affilée de la draphine, affiner draphine. On a une, une comme ça dans le deck, non Parce que je l'ai jamais vu. On va jouer ça tranquillou. On a le manœuvre pour la capa. Ça peut l'emmerder, mine de rien. Trigger, trigger. 4 couleurs. Peut-être que. Ouais, non. Je pense que c'est quand même grid. Euh... Tout ce qu'on voit jouer euh, demi-couleurs et qui font des belles sorties, c'est pas. C'est pas forcément censé arriver. Surtout, il, il a l'air de splasher plutôt le rouge que le... que le. Que le blanc ou le vert. Alors que normalement, il faudrait jouer vert-rouge, euh, tu vois, pour être splashé avec tes trésors et tout. Pour être fixé, pardon. Tu crois qu'on va passer par les airs, hein? On gagne 4 gros pèves. Enfin, oh, les gros pèves. Le saviez-vous, l'European Land Vésuve ne montre pas du tout le Vésuve, mais les Dolomites au nord de l'Italie dans le Tyrol Super la géographie, bon, chez Wizard. Ça, ils ont pas fait exprès Il joue ça, mais une ouais, j'hésitais à le faire, moi. Il a pas hésité, lui. Le jambon des Dolomites, c'est très bon, apparemment. Ouais, J'avais pas le malin pour contrer son putain de charme. Hum. joue jouons ça. Il doit avoir des bedfly du coup. Bon, Je trade les deux. Je pense que c'est une montagne, c'est une montagne, mais bon le visu c'est rond. Ouais là c'est vraiment, euh, vraiment loin quoi de ce qu'il voulait faire je pense. Il y en a eu deux le, le coco là Double charme, nice. L'horreur des riveteurs. Sacrifier pour engager. Je suis pas pressé. Je peux juste jouer mon, mon pâté. Que des trucs en E. J'ai suffisamment de board pour le dissuader d'attaquer. Engager ça. Mais ça. Dro deux, on trouve pas de land. C'est pas grave. On trouve un lande et on va bourrer. Druple bloc sur la 4-4. Il peut faire un trésor par tour. Est-ce que ça fait des bêtises ça Bah, Je préfère tuer deux bêtes plutôt qu'une. Je laisse là un 4. Notre but ça est de tempo ça un max. avec deux mana blancs. Un peu chiant le mana blanc à chaque fois. Ah notre problème c'est de ne pas avoir d'anti-bet quoi. On a un peu de tempo mais c'est trop. J'aurais fait un trésor moi sa place. Bon, on peut quand même l'agresser, hein. ça c'est un blocable pour 4. 5, 3, 0, 3, 5, 4. Oh, il manque euh, un drop euh, 2 pour actif. Je peux Escrimeuse Brigadier. Et c'est pas mal de faire ça, je crois. ça ça réduit les chances de piocher euh, un land c'est pas mal ils ont les volcorons vive les italiens on a ça je te le bloque comme ça et je vais pas prendre 10 j'évite Ah oh putain, Nature Blocker, non! Ah, ça, il faudrait que ce soit au cimetière pour euh, trigger la bait. Là, il va falloir que je donc en fait, je crois que je préfère mettre ça. On s'en bat les couilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avec le tout en bas, donc sur 15 cartes, il n'y a plus que 4 landes. Avec les deux, il va créer 2-1-1. Mais de faut que je grignote des ressources. On est un peu au top deck tous les deux. Ah, bah non. Ah. Ouais, si on est à top deck, mais tous les tours il fait un, un chum blocker donc. Euh... Donc ça va être très très dur. On a de quoi gérer son escrimeuse dans le deck. On a un Boons. On l'a pas encore joué, je crois. Euh... Ah, si on l'a joué tout au début pour euh, trouver nos landes. Euh... Bah, je crois qu'on a plus rien, non Pour gérer escrimeuse. Yo, Barastor. Barastor, pardon que je préfère proposer mon crocodile c'est lui qui va me faire gagner tous les tours il fait une ou deux 1-1 un, un, donc euh... oh et c'est bon c'est actif donc pour un mana bleu on le un blocable ça c'est cool Faut que j'attaque avec ça quand même, parce que si je le force pas à créer ces 1-1, il va me déborder après. Ah, il y a le truc qui met top au bottom, ouais, il reste un spell White Fang. Faut le trouver. On a du Scry. Et avec ce land qu'on vient de piocher, du coup, il en reste plus que 3 sur 15 cartes. Ligueur, Assembleuse... Pas mis de marqueur avant parce que il a chum block ça sert à rien. C'est une bête qui chum block et qui fait un scry 1. Donc on va garder. Il faudrait vraiment qu'il pioche que de la merde mais bon j'y crois pas trop. Il a arrêté de piocher des landes ou en tout cas il les joue pas. C'est complexe. Ça, 2 trois fly euh, voilà. attaque très mal maintenant. Merci, t'es chaud, Bruno, 0-900 pour le Prime Gaming. C'est gars, pourquoi ils disent pas quand sont les PTQ qui fit pour Sofia en magasin Parce qu'en fait, les magasins, pour tout te dire, n'en ont aucune idée. Ont pas d'infos. Donc, euh, bah, pas d'infos. Euh, 3 à tout ce qui est non-token. Je suis mort, non 14, 15, 16. Non, 14, 15. Non, je suis pas mort. Il pète le shield, c'est pour ça qu'il fait ça Il met juste 14. Enfin, juste 14, c'est énorme, hein, mais. L'Angerto, c'est sympa, ouais, j'aime bien un peu lent mais euh, c'est du mal à investir ça marche bien bon Commencer par un scry 1, on a de quoi piocher et encore jouer des trucs potentiellement. Ah mais non mais il a 2 et est mort, tu es con. On est scry puis dans tous les cas, on devrait jouer ça. Pas mal. Voilà, il sait que j'ai un land en main. Est-ce que le crocodile va aller au bout Ce serait incroyable. Après, je suis à 5. Il commence à avoir beaucoup de board Donc il faut que je tienne deux tours. Faut pas que je relance là. C'est vital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il n'y a que 2 lands sur, euh, sur 11 cartes. Il y a vraiment très peu de chances que j'en pioche un. Voilà, 2-1 est moins bien que, que 0-4. Crois oh, le bruit, quoi. champ plus 1 plus 0, c'est meilleur tout le deck. ok, on trouve une bête, c'est super. Je peux piocher. Bon, déjà mana bleu, on y va. Il faut que tu aies cinq cartes, euh, enfin cinq euh, coups de mana différents dans les cartes de ton cimetière. Je peux piocher, puis merde, j'aurais dû piocher avant. Je pouvais avoir l'étal. Bon après il a trois trucs. Ah. Quand même draw. Bon, c'est bon, que j'ai une carte qu'on ne pouvait pas jouer. Trois bloqueurs. Il faut en bloquer un. On bloque ça, ça. Il fait une 1-1. Un, un. Il en fait une autre avec ça. S'il a pas de dégâts, de buff, euh, truc comme ça, on est à 1 méga. S'il fait ça à 1 maintenant. Merci beaucoup euh, Papillon 78 euh, euh, Magzot pardon pour le sub. Ça va très très bien. J'ai fait un draft, Waldo, j'ai pas eu le temps d'en faire plus. Maintenant c'est sorti hier soir donc euh, <laughs> j'avais pas trop le temps. Et euh, combinaison forte, non, impossible à dire. Le vert est quand même pas mal fort. Hein. Blanc, je trouve que c'est pas mal. Bant, en vrai, euh, je trouve que c'est cool. Il va attaquer avec tout. Euh, on va bloquer ça comme ça, parce que c'est le piétinement. Ça comme ça, ça comme ça. On prend 4. Tant qu'effet on va tuer une 1-1. Il faut qu'il n'y ait pas de dégâts à distance. Ou de gestion sur crocodile. Yes Oh putain il était temps -là. elle était tant dax celle-là. Elle m'avait donné... Elle m'avait donné... juste donné envie de rouler en dax, pour vous dire. Je vais prendre mon meilleur dax, je vais faire un petit tour dans le quartier pour me détendre. Ouf. Putain, ça, ça fait plaisir. Autant la game qu'on perd contre Elspeth, c'est vraiment pas pour ça qu'on joue à Magic. Autant celle qu'on vient de gagner, c'est pour ça qu'on joue à Magic. Putain, du coup, 1200 gemmes, ça rigole. J'ai cherché à boire parce que j'ai très soif. J'ai Mexicain en plus ce midi, donc vraiment. Euh, Icaramba, caramba, comme on dit. Donc personne ne dit ça. Après, vraiment, chez Mexicain. Euh, mais voilà, ça donne très soif. Je reviens deux secondes. Et leur voilà. Leur Maintenant tu gagnes les 4. Allez, Mizikasa. Chose promise, chose dûte. J'étais tendu jusqu'au bout, j'ai beaucoup contracté les muscles fessiers. <laughs> Et bien moi aussi, euh, Grave Nico. Une victoire à l'arraché. Un peu euh, pendant Guiré, ouais. Après... Euh... Victoire quoi Victoire, on avait un plan de jeu, une bête imbloquable, on faisait la course, on, on a trié un peu nos draws, on a fait en sorte de, de se mettre en cette position-là. quoi. Et ben c'est la première fois que j'ai une aussi bonne main là. Avec ce dick. Je crois que ça, je m'en fous. Oh Il a pas cligné des yeux, il a eu raison. Duelic, discipliné. Yo, euh, Liu, le boss. Ah, t'as mangé mexicain toi. Je ris. Moi je ris, j'aime bien rire comme ça. Bon, on trouve pas de land. C'est assez relou. Si j'engageais ça, il pouvait trade et prendre 4. Bon, ouais, donc c'est mieux d'engager ça parce que là, du coup, il trade pas. Il manque peut-être une couleur à monsieur en face on nous manque des landes, donc c'est oh putain, c'est très fort ça. Voilà. De Catfly pour deux. C'est très très fort. Et moi je pioche mon cul. Allons-y. Allez les landes là. Oh s'il a que des petits spells pour euh, trio son déchiqueteur ça va être trop lourd. Ah oh, putain mais évidemment que oui. Évidemment que oui. Ah. Ok. Mais je joue contre des mecs qui draft ou qui font du bac et scellé. Parce que moi j'ai ouvert des boostures, j'ai construit avec hein, juste. Il n'y avait pas de genre voilà les, les couleurs, il y a des couleurs qui étaient mortes, bah je sais pas jouer avec et les autres couleurs c'était pas ouf. Mais j'avais pas le choix. Un paquet c'est c'est bien quand même. Il bloque ici, il bloque là, il se passe rien. Ah j'ai pêché mon land. Allez là! Ah, il joue vraiment, juste bicolore lui. Dans son scellé. Dans une extension tricolore, il a réussi. Ben, nice. 3-5 flight. Hein, mais le. Ça, c'est vraiment débile, quoi, comme carte. On ben va y arriver, les gars. On va trouver un land à force. 15... 3 landes sur 15 cartes. Allez On y a réussi. Et là, il se dit. Oh, il jouait, euh... il jouait 4 landes du coup dans le deck. Il est même pas animé Dommage, ça. Hein C'est parce que ça aurait été juste somptueux. Si je mets tout et qu'il a un Trix, euh... je suis aux fraises donc. Euh... Passer un tour de plus. Ok, cinquième land. On tente le clandestin. Enfin, le serveur de bar clandestin. Ça passe, on gagne beaucoup de PEV. 7, 6, pardon. Et on va avoir de quoi euh, multi -block. Alors je lui offre plusieurs créatures je sais mais je veux pas me prendre un trix il y a 3 manas donc il devrait pas en avoir beaucoup c'est assez aléatoire mais non 90% sur les deux couleurs c'est pas possible Disas je pense Mais par contre euh... Oh putain il a un marqueur chip. Oh. Je sais pas si c'est une bonne carte ça le marker shield. Je l'ai pas... la joue pas dans le deck. Je pense que ça ne l'est pas, mais que ça fait le taf quoi. Là voilà, ça me tue de bête et je tue pas la sienne donc forcément pour mana c'est fort quoi mais... Bon on va falloir chercher des solutions. Donc, on va commencer par ça. On laisse connivre, mais on n'a pas le choix là. Il faut juste trouver quelque chose qui va gérer ça maintenant. C'est fort, tu piques cette carte chaque fois, Daisho. Et ça fait de, de la belle magie. Ça, ça grossit, putain. Ah ouais. Bon, on va regarder encore un tour, mais. Non, mais. Enfin, les synergies de son pack, c'est insane. C'est bon bon j'ai eu ce que je voulais. On peut y aller. Et eh ben 3-3. Score à euh... Ah vous ont... Il y avait une anonne J'entends pas, vous me dites si vous rien entendez On fait 1200 gemmes quand même, ça va. On fait trois victoires. gros salon Ah désolé. Je pas avec le casque. Si ça refait, je, je, je voulais voler, je gueule. Maîtrise. On a gagné deux. On va prendre ces cartes là là. On va aller souvent les jouer en draft à mon avis. On vole ta caisse. Je sais même pas le bruit qui fait mon alarme en vrai. Mais dans l'ordre. On entend mieux que tout ce qui se passe chez toi. Ouais, bah. Avec le casque, ouais. En fait, c'est comme si. Genre, imagine, as... tu mets mon... le son de mon stream sur des haut-parleurs. Et par-dessus, tu mets un casque avec de la musique. Et genre, bah, moi, c'est plus ou moins ça, quoi. C'est vrai que ta musique était passée dans la catégorie chill, anxiogène. Non, super bien les flammes sur ton fourrière. Et non, je sais que c'est un prank. On annule la prédiction avec une alarme. Ouais, ah, désolé. Désolé pour ceux qui ont cru. En vrai, franchement, sur nos trois défaites, il y en a deux, elles sont brutales. quoi. Là, le dernier, le U White, il avait tout, mais tout. Il avait toutes les bonnes co et tout qui combattent ensemble. Les bons Remo Volun Common. La bonne rare en tour 2 qui fait très mal. Et l'autre, il jouait Donc L'SPAT T5, c'est juste win. C'est juste loose pour nous. C'est un peu dommage. Je pense que le pack, il était décent. Il pouvait faire 4-5 wins euh, pas trop difficilement. Euh, là, on s'est heurté vraiment à, à plus fort que nous. Mais il manquait de removal. Quoi. Genre vraiment, 4 wins, c'est largement notre portée. 5, ça commençait à devenir un peu chaud. Mais ça se faisait. Oh, on a plein de boosters. Bon, regardez, tant qu'on drafte pas. Et tant qu'on n'a pas besoin de... Quoi qu'attendez, là... Hmm quoi dans un peu moins d'une heure je peux lancer un draft mais on aura peut-être pas le temps de faire beaucoup de games allez majeur il me reste deux jetons ouais c'est parti ça fait quoi de beau ce week-end sinon qu'est ce que je fais de beau euh... ce week-end je vais je vais grimper avec val hum... Je vais pas mal bosser sur, euh, sur le vlog, je pense. Euh, J'essaie de vous sortir ça le plus vite possible, mais ça prend beaucoup de temps. Là, j'ai pas eu une seconde pour m'y mettre encore. Euh, on va tourner des vidéos avec Val samedi aussi. Euh, samedi soir, crémaillère d'un couple d'amis. Donc euh, petite soirée pépouze. Et dimanche. Bah dimanche repose, je pense. Enfin, je vais sûrement bosser sur le vlog encore et. Et sinon, repos à la bien. Peut-être un petit live, dimanche. Je vais voir. Ah d'ailleurs, je ne sais pas ce qui vous a prévenu, Val. Ok, c'est annulé. Mais rossez-vous lundi, euh, décalé, d'une semaine. Parce qu'il faut trouver deux personnes. Euh, vu que Liland ne, ne reparticipe pas pour l'instant. Et, euh, et ça faisait un peu juste, là. Le temps d'avoir des personnes qui acceptent et tout. Donc on, on décale d'une semaine. Mais c'est pas très grave, ça laisse plus de temps aux gens pour récupérer les, les cartes aussi de, de New Capella, donc c'est cool. Donc expérimenter pour lancer ce sort. Exil une carte de créature depuis le cimetière. fait un nombre de blessures égal à la force de la créature Exil. C'est fort ça, non Ça n'a pas l'air trop dur à déclencher. Fille 80, 4 à être ça ce week-end. Elle a pu sortir que moi. Yes, bon courage pour le taf, Musicada. Ciao, ciao. On va changer le titre. D'ailleurs. Euh... Draft nu Capeno. Ouais, explosion de cadavre, ça a l'air cool. Bon, je peux pas avoir une grosse mythique, là Un truc qui tâche, un peu Petit euh, conseil aussi en draft, les fixings. Tranquille. Vous allez en voir passer, il y en a plein dans tous les boosters. Ne les faire se pas euh, comme des sales. Vandal Ferry, j'adore la carte. Glir de cette soirée, j'aime bien aussi. C'est littéralement un... un mec sur une scène de théâtre qui est en train de cramer la gueule d'un type. Okay. Ça, apparemment, c'est bon co Oui, c'est du standard euh, New Capena. C'était euh, obligatoire. Euh, il avait été décidé déjà au dernier Roussez-vous, Velcro. Bonjour, Kimikaze. C'est quoi ton first pick C'est Explosion Cadavre. Je suis plus on va voir si on peut faire un truc... Ça a l'air euh, pas mal en hein, scellé, les brasses. Indulgence souillée. Ouais, ça bruit bouillite indulgence hein, souillée. C'est pas, pas mal non plus. Mais il voit de la vermine, apparemment. C'est cool. Après, peut-être qu'il savait euh, ce à quoi il s'attendait, les de Nico. Face hein. au premier rang, euh, peut-être que il voulait, tu vois. Il voulait que ça arrive, finalement. Il a cherché. Euh, 4 cartes vertes. Bandit masqué. Bandit masqué, c'est bonne carte. Ça se joue avec ça. Avec les deux, là, combien de piques. Je me demande si. Ouais, Carly Mazur, c'est la même artiste que pour euh, le Piège en foi. Craton le verre gros Puis J'ai X cartes, c'est aucun X points de vie. Ouais, en rituel, c'est pas incroyable. <coughs> On a un buteur de corps qui était plutôt impressionnant. En fait, je pensais que c'était pas très bien, mais pour avoir joué compte, c'était assez fort. On peut aussi prendre un charme des courtiers. Ça marche avec Vandal Ferry et Voix de la Vermine. Ouais, je prends prendre charme, c'est fort. Oh, deuxième. Extraction de la vérité. On a piqué un juste avant, on peut en prendre le deuxième. Hein. Ça, vraiment, je peux en jouer 15. Ça ne je... me pose pas de problème. Peut-être pas 15, mais je peux en jouer beaucoup. Une de 2-2 deux pour deux. Je vais prendre ça. Les fly comme on l'a vu, sont très très chiantes. Et ça, ça bloque très bien les fly Il ouais, y a pas mal de tours 2 là qu'on aurait pu prendre. Mais bon, sur, sur ce booster 1, je vais plutôt prendre les, les cartes qui m'ont l'air euh, meilleures. Si les gens se bougent un peu le cul en, dans le draft, là, on peut. On peut peut-être faire une ou deux games avant que je décale. Agent de renfort. C'est un peu dur à trigger, ça. Pour 3. Ouais, le drop de blanc. On a le charme-bande, le Ferry. On repart sur bande peut-être Enfin, en scellé, en vrai, on n'avait pas non plus des masses de choix. Score. Raft. Ok, un... en vrai, c'est un 2-2 pour 2 qui peut mettre son marqueur ailleurs. C'est vraiment bien. Merci Linuxor pour le quatrième mois de sub. Merci pour la qualité du contenu et votre humeur. Avec grand plaisir. Ça, j'ai l'impression que c'est naze, mais bon, je suis pas sûr. Ah, on a un drop 2 qui fait un marqueur shield. Non, mais ça, c'est bien. Celui qui doit faire un truc quand il meurt, euh, j'aime moins. Une gestion blanche, ok. Ça, c'est peut-être pas si naze. On va voir. Autre X. Un drop de rouge. Plus value, je suis Capena. J'ai l'impression que Capena, euh, c'est pas mal. En fait, Camigavo, on sait plus ou moins ce qu'il y a dedans. Capena, il peut encore y avoir des surprises. Donc, euh, ça dépend de ce que tu recherches, ce que tu veux faire. Si c'est du booster physique, c'est sur Arena. Notre art, elle, elle va être très dur à jouer. Dommage, elle a été forte. Ça, c'est bien, hein? Passage à tabac. En physique, je dirais plus rien du Capena, il y a les Trilands, il y a plein de, de bonnes cartes qui seront jouées par-ci par-là, je pense. Ça va être kiff-kiff. On a commencé à chercher les tour 2. Ah, c'est agréable la musique, merci. se transforme n'importe quoi en 1-1-1 donc fort je prends un box opening ouais je pense que je vais acheter une boîte collector je vais regarder un peu mais s'il y a suffisamment de cartes qui m'intéressent surtout dans leur skin je pense que j'en prends une ok protection et témoin c'est cool, oh, agent de métropole vraiment bien dans notre arcade cheap. J'ai pas vu qu'il y avait une carte qui faisait ça. Bon, c'est des 3-1 pour 3, c'est pas non plus fou, mais... Combat concerté. Combat concerté, c'est un petit qui, euh... qui fait un trésor. Charme des Rifters, ça va être un peu loin de nos couleurs, ça. Mais on a Adeptes des Obscura, qui est bien. Est-ce de cadavre, on ne la jouerait pas, ça non plus, du coup Ouais, j'aime beaucoup ça. Tous les tours, vous tapez en Fly Life euh, ça fait hein, une différence de 4 PEV. C'est vraiment, euh, vraiment sympa. L Express de Capena, j'aime pas trop, je crois que je vais la cut. Le truc, ça peut être OK. Ça, c'est bien. Ça se voit. C'est plutôt dans cabaretti mais ça marche. Crocodile des égouts. Je pense qu'on est 6 mix plage blanc, là. Seulement. Parce que le... Enfin, le splash blanc il est pour ça. Maintenant on a le ronçonnement, mais euh, les autres c'était pas non plus. Mandatory. Euh... Ouais, mais c'est ça qui vaut des sous en fait à terme d'IDAS. Alors que le reste, si c'est des cartes pour des formats comme Pionnier et... et Standard, à terme bah, le Standard ça il a changé et le Pionnier bah, il évolue. Je crois que je vais prendre le Land au-dessus de ça. Elle était bien la bête, mais genre il faut quand même qu'on se fixe un petit peu là, parce qu'on a, on a un tricolore. Euh, un peu un peu gras. Oh, C'est un as. Petit plus 2 plus 2 qui peut être un plus 4 plus 4. C'est plutôt du cabaret mais ça marche. Si on trouve un dueliste, euh, le, la créature bande qui a double strike, marqueur euh, shield, ça ça marche très très bien dessus. Ce truc c'est cool aussi. je depuis cette de dégagés là, c'est vraiment un anti-bet dans le format. Je pense. On va prendre le, le spell qui draw. Hydro-hydro, petit patapo. Oh. Là, on va prendre le fixing qui passe. On a beaucoup de tour 2 ou pas On a pas le tour 2 cette fois-ci. Je crois que je peux prendre un tir mortel. Salut Whitgard. en limité c'est pas c'est pas mal ouais fontaine de Halo, ça fait un peu un token tous les tours. En construit très honnêtement je pense que c'est éclaté au sol. Mais euh, bon, je peux me tromper. Ouais je prends l'antibète. Apparemment l'une blanche c'est fort, mais... Pas convaincus. On aura le temps de faire pas beaucoup de games là, les, les gens. Bon, après, ils déco l'extension aussi, mais ils mettent, euh, ils mettent pas mal de temps. On loupe rien dans le booster et on a encore un land qui nous fixe. Bien d'avoir encore deux lampes qui nous fixent. Oh, monsieur Féo! Le rocher! C'est rigolo ça! Ça coûte cher. Ça, ça nous fixe. Pour deux manas, mais ça nous fixe et c'est une bonne bête. Donc on est content de la récupérer. On va la défendre pour le construire. Euh, ouais pour le construit euh, bah, c'est un Arthos à 3 qui fait pas grand chose quand il arrive en jeu et qui te demande plein de mana d'une seule couleur donc euh, t'empêche plus ou moins si tu veux t'en servir correctement de jouer beaucoup de couleurs euh, Il faut pouvoir attaquer avec des bêtes euh, pour s'en servir Ou en tout cas euh, si tu peux attaquer tu les donnes à ton adversaire si jamais t'es pas en position favorable Et si t'es en position favorable pour attaquer bah, c'est que tu peux gagner la partie donc euh... à moins que tu l'utilises dans une combo euh, Je pense que c'est nul à chier je suis désolé, les mots sont un peu rudes, mais... Mais je pense que c'est ça. June bien au-dessus, 7 1. Bah GG qui m'y case. Ouais, euh, rouge-vert, je pense que c'est vraiment très fort. Et après, euh, à voir si tu joues... Euh, June, de Naya, euh, Cabaretis, et June, ça va être les plus forts en AP. Mais Bant, euh, en vrai, il y a tellement de Bedfly que c'est pas dégueu non plus. Il y a deux bilans, mais c'est pour Grixis, je m'en fous. On a beaucoup de citoyens Non. On drop deux de plus. On a pas mal de gestion déjà. Tiens mortel, personne ne les prend. C'est bonne carte, hein. Drop 5, G. 3B. J'aime bien le fier à bras. Ouais, c'est très très fort ça, Kimikaze. Marée, montagne, forêt, putain. Je quoi une couille mondaine Non, ça Je ne jouerai rien de, de toutes ces cartes. Negos Pacoti, c'est un drop 4 qui nous fixe. Pourquoi pas Ça bloque bien, ça fait trésor. Il est un peu mignon notre deck, hein. il fait pas grand chose. Pourquoi pas Ouais, c'est décent et ça je crois qu'on peut pas trop le splasher malheureusement. Puisqu'on se fixe qu'avec deux tours du pont céleste. Un petit peu avec Nego euh, Pacotille. Oh, vraie carte ça. Salut euh, Pitmonger. 42 cartes, on va en enlever une parce que notre curve est assez basse, on a que 12-13 créatures. Peut-être que j'ajoute un drop 2 Euh, la botte. Je peux enlever le brisé du main deck. Et je vais à lands. landes. Ouais. Du coup, je peux enlever un land. Je suis putain, parfaitement équilibré, mais j'ai deux bilands. six sources de bleu, six sources de vert, sept sources de blanc. On avait plutôt un, une plaine. Alright. Allez on met les lampes de val. Ça porte bonheur. Force de l'amitié. Je suis pas... Je suis pas méga fan du deck là. Il est ok, hein, genre on a deux charmes des courtiers, on a plein d'anti-bêtes... On a beaucoup de drop 2, c'est très important dans le format. Mais, euh, mais c'est un tricolore équilibré, quoi, avec peu de fixing. Je pense qu'il y avait des gens dans les mêmes couleurs que nous, parce que vraiment, euh, il y avait plein de fixing, bah, booster 1 et booster 2, il n'y en avait plus du tout. Donc, euh, donc ouais, on a dû se faire un peu vampiriser euh, là-dessus. Je fais un petit AFK, le temps que vous votiez pour la prédiction, je reviens dans une seconde. Yo Puis à la fin de la prédiction et je vais me rendre compte que je cut dans 30 minutes. Donc de toute façon, euh, la prédiction a de grandes chances qu'elle soit annulée et vous serez remboursé. Mais c'est pas grave. On va quand même essayer. Salut Barcou. Merci de passer. Oh l'image de fond est très belle. Mon contre The -Bielo 92. Bon. J'ai vu les landes, je m'en foutais de ce qu'il y avait à côté, je savais que c'était gardé. Salut Artemis, ça va et toi Quelle est la carte que tu préfères dans Capena? Mmh. Pour l'instant je dirais que c'est Omnixilis. Jusqu'à ce que j'en ai marre. Il y a vraiment un côté euh, monsieur Mam Smith. Une bagarre de salon, j'aime bien. Exil en plus, c'est vraiment pas mal. Et entre notre quatrième lande, je crois que c'est bien de mettre ça maintenant. Tant qu'on ne trigger pas ça, c'est pas intéressant. Parce que ça ça va vite être vite tuer tué. Mais non. Je, je crois que c'est en phase d'attaque, non c'est quand elle attaque. Je vais la poser après. C'est pas grave. Quand tu comptes du noir avec t'as des marqueurs shield, t'es content en général. Euh... Là on peut jouer ça. On 3 en 3, on se meule de 3. On perd de landes et... et un drop 2. Pas très grave. Enfin, les landes on les cherche un peu là mais... On cherche surtout un land blanc. chambre des courtiers. On pourrait tuer ça. Alors, je crois que je juste blitz ça. C'est bien. Mettre des marqueurs sur ça. suis une carte. Uf, à ça 5. On est en choix cache-cache. Mais on l'a bourré. On a une bête vol qui le tue pour l'instant. Ça ne prend pas le contact mental, le bouclier, non Enfin, sur, ça, tu perds ton marqueur bouclier et tu ne meurs pas. Ok. Je pourrais tuer, mettre deux points, bon, c'est pas fou. Allons-y, on fera Vandal Ferry fin de tour. Là, on va essayer de passer le de dernier point. Euh, il galère. Euh, visiblement. Euh, il a renvoi sur bataille. Engagé Non. Ah oh bah. C'est prochain tour, moi ça me va. Ah, mais bah non, mais c'est exil, ça. Donc ça marche pas, je suis con. En tous les cas, moi c'est pour faire passer mes points. 1-0. Oh, je vais essayer de faire la, la prédiction fast. 15h35. Ouais, 16h, 16h05 max, faut que je décolle. Juste en train de jouer contre la montre. Vous avez vu mon booster euh... Metazoo. Il est beau hein Mais c'est juste skip. C'est juste skip. Ouais je trouve ça un poil faible, tu vois, la set or la mécanique Beats mais. Mais bon, ça fait des trucs. En fait, il y a des fois où c'est vachement bien et plein d'autres fois où c'est un peu... Meh. Mais... Je vais transformer mon land de fin de tour. Tranquille, Loopy Loop. Cette forêt. 3-1. Combien y en a-t-il dans son deck Ah, quand ça déclenche des effets sur tes autres bêtes, c'est meilleur, c'est clair, ouais. On ragdose, genre. Ah, des putus. Déjouer la sécurité sur Vandal Ferry, ça va être pas mal. Enfin, avec Vandal Ferry, je peux pas forcément le mettre dessus. Je crois que je vais faire ça et life link. Bon là après on va prendre une grosse grosse phase de sauce. Non c'est mieux de jouer ça. Ça Ça, ça tue pas trop, c'est bête. Prends un marqueur, prends un marqueur, c'est cool. Donc, Eza, il va devenir un, un legitimate business person, je pense. Ça va à rien de piocher un mana blanc là. Il sacrifie, il engage, il dégage pas, plus deux. Trigger Kézat, trigger Waouh, on prend une belle sauce. Je crois que si on trouve pas lent, dans les morts. Aïe, ah, il me reste un mana vert si j'utilise ça. Est-ce que je transforme en 1-1 Si je transforme en 1-1, il me reste du mana avec lequel je ne fais rien. Donc non, il faut que je tue. Ok, il a pas de réponse, tant mieux. Ah mais c'est un triland ça Mais quel con J'avais oublié. Eh, vous voyez avec le... Pas le... Je... Enfin, je... je suis censé suivre la game, mais genre avec le tout petit liseré là sur ce land. Si je transforme en 1-1... Ça devient quand même une 2-2, de donc c'est pas fou. Et du coup, j'aurais pu tuer ça et... Et te transforme un l'autre. Ah, face Bon, s'il me tue pas sur si, par contre, euh, ma 3-3 fly, euh, je donne le lifeling, je regagne des PF, je suis bien. Enfin, je suis bien. Coup de carte en main, mais ça va. S'il si a un drop un noir, je suis pas bien. Ok, il n'y en a pas. Donc on va... Euh, donner le lifelink à ça. Je vais être sûr d'attaquer, en fait, pour gagner mes PE. Si je rançonne son Vandal Ferry, je peux pas faveur de sûreté. Euh, non, ça n'arrive pas de marqueur bouclier, les marqueurs moins un moins un. Et j'ai envie de mettre un marqueur pour faire grossir la bête. Peut-être que ça, c'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf avec ce qu'il nous propose là. On est ok comme ça. Ah, vraiment, on est en mode on protège notre 4-4. Un maximum, et tous les tours avec le lifelink. On fait des que trucs Il a un marqueur. 3, 1, 2, 3, 4, 5. S'il engage Vandal Ferry, ça va. Mais là, il a envie de shutdown down la date des Obscuras. Hum. Après il n'a pas de bonne attaque en l'état. Ah s'il bourre et qu'il veut faire tricks de combat, nous on a faveur de sûreté. Je me demande d'ailleurs si je joue. Quoique là je peux jouer juste ça à 5, ça empêche un truc fly de bloquer et attaquer. Non oh, est tranquille. Mais du coup, je perds une source de blanc en faisant ça. Dans ça qui peut grossir, parce que c'est vrai qu'avec ces 2-2-3, il bloque bien ma 4-4. Sinon, oh, elle est imbloquable si j'attaque seul, mais vu que c'est que ma le Ferry puisse connecter aussi après. Là, tu vois notre mana pour notre faveur de sûreté. On n'est pas dégueu ici, on n'est pas tout seul. Pas... Il peut exiler Non, il faut que ce soit un cimetière. Ouais. Là qui est sacrifiable. Altonio. Pas d'attaque. On l'attaque quand même pas, puisqu'on est à 9. La game est intéressante. Est-ce qu'il en a d'autres qu'il a gardé Je pense pas, non. Je pense qu'il y en a avec deux. Ok, c'était prendre le risque de la piocher, c'était pas ouf de. de pas tout aller chercher en vrai. Tu chaud au Nico Ouais, il draw une carte. fais un, un, un large board, bon, ça s'en fiche un peu. Il en a quatre, mais il sait pas comment ça marche. Je pense qu'il a il a pas lu la carte, parce que vraiment t'as aucune raison de pas aller les chercher. Bon bah écoutez on y va. Hein. Connive. Ça, ça dégage, je crois. 13 à 14. Il y avait euh, 6 à 21. Ça grossit naturellement notre Vandal Ferry à côté, ce qui est pas mal. Il y a beaucoup de cartes en main, Lopo. Oh putain, il en a deux, mais... Ils ont tout laissé passer, hein. Franchement, ils jouaient tous grue, les mecs à la table. Yep. Engagé. Engagé. Je crois que je vais bloquer une bête avec ma connaisseuse de venin. J'ai peut-être d'ailleurs fait un marker shield sur la connaisseuse parce qu'elle va devoir bloquer deux fois. Ouais. Le scry 1 est pas mal. J'ai pas de mana blanc. Oh man mana, j'ai tué une bête sur le scry 1. 4-4, ça bloque bien, ça c'est 4-2. Donc c'est son tour. On est à 8. J'ai deux manas blancs. Ouais mais c'est quand elle attaque, dans tous les cas je la gardais pas. J'ai encore oublié alors que depuis tout à l'heure je le dis mais. Est-ce qu'on ne l'exile pas là juste On prend que 2 points fly. Euh... On peut bloquer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut qu'il est anti bet plus autre chose. Normalement on n'est pas mort. Bon, après, est-ce que c'est bien de prendre des risques Je crois pas. Ah ça m'a gardé du coup la forêt. Euh... Ah ben bah, non, ça n'a pas le choix. Euh... Ça ça peut attaquer Free, j'aime pas trop. Genre, je préfère me prendre deux points plutôt que de devoir donner une bête là-dedans. Et là, il a vraiment qu'une attaque avec sa 2-3. Même s'il si gère ma 4-4, j'ai une ma 2-2 qui bloque ses autres bêtes. Parce que si je mettais ça en 4-5, techniquement, ça bloque ça aussi et tout le reste. Mais s'il me le gère, bah... Il attaque et je suis pas bien. C'est quand même bien les couleurs qu'il gère, j'espère. Adversaire un peu lent, il n'y a pas les timers en, en BO1. Malheureusement. Euh, on n'aurait pas pu protéger avec le marker shield. C'est là-dessus qu'on comptait pour gagner, donc ça va être bien plus dur maintenant. Enfin, les plays sont un peu... Euh, un peu simples et l'adversaire met vraiment beaucoup de temps, c'est chiant. Voilà, merci beaucoup euh, Matsot pour le prime gaming. Je passe trop de temps sur votre YouTube, on ne pas quelqu'un à ici, merci beaucoup. J'ai une grosse fly, euh, c'est pas incre. Mais c'est mieux que rien. Je crois que je vais blitzer. Non on va avoir une 2-3 c'est bien. Oh, si il a une botte là dans sa main. Après Vandal, c'est déjà solide. Peut-être que je mets deux marqueurs plutôt sur connaisseuse. 7, enfin 10, 6, 2. Je crois que j'essaie de faire la course quand même. Sainte Turbunes, non. Ah oh merde, je suis mort. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait cette mana, ouais. On était vraiment pas bien dans la game. J'ai fait de la merde plusieurs fois, mais... En fait, on a tout misé sur une seule bête et il avait juste à trouver son, son anti-bête qu'il a trouvé. C'est vrai que c'est cette mana... Pour moi, les pacifismes, ça reste. blanc, euh... quoi, donc j'ai pas. pas pensé qu'il allait récupérer sa bête. Ça manque de mal à verre, mais on va le trouver, grâce à la force de l'amitié et un peu de chat. Vandal Agent de Ramfort Exactement, béconner. Avec, avec un peu de chat. On a le ferry, ouais. Qu'on avait vu à demi kilomètre. Un malin rouge je crois qu'il va nous laisser piocher avec notre agent de métropole ce qui est top tier. Oh, la synergie entre les deux cartes est assez ouf. Il faut juste trouver un marqueur sur, euh, sur une bête quoi. Et après c'est parti. Oh la petite discussion Il ne paye pas victime 1. Et il ne pas pioché, donc ça marche pas pour le vandal. Le vandal. Bien joué, me dit duo. Bien joué, bon. Elle a été fast celle-là. On a peut-être le temps d'arriver à la prédiction en vrai, même si je finis pas, mais genre à 4-1 par exemple, euh, la prédiction est validée. Euh, Est-ce que l'ange prend plusieurs fois Regardez. Chaque fois que vous attaquez avec au moins. Non. Je pioche qu'une fois. Oh, C'est déjà bien. Il est un peu, un peu frêle quand même l'ange. Hein. 3-1 fly, euh, ça se fait trade par beaucoup de trucs. Je bayote. J'espère que l'ophtalmo, il va me dire que c'est ok les yeux. En fait. D'un côté j'espère qu'il va me dire c'est ok et d'un autre s'il me dit euh, il vous faut des lunettes, bah du coup ça va améliorer mon quotidien. Donc c'est pas mal. Ok. Notre drop 5. Bon, ça c'est un drop 2 en vrai. Bon, pourquoi il est gold le sien donc, nous, Il est tout bleu. Mec. Impeccable. Ouais, bah même ça, tu vois, la dernière fois j'étais sûr que j'en aurais. C'est il y a 2 ou 3 ans que je suis allé chez Optalmo et il m'a dit euh... Non, votre violet est impeccable. Juste vous avez les muscles, les muscles oculaires fatigués donc il faut, euh... faut faire un peu de rééducation chez un orthoptiste. Mais sinon, euh, pas touché quoi. Donc je touche pas. Et là on peut pas euh, faire le, le tour 4 de tout à l'heure. Ah j'ai pas de soucis, je contrôle juste ma vue, parce que je passe ma vie sur les écrans, donc... Euh... On faut faire attention parce que quand euh, t'as pas de dispositif, euh, style lunettes et tout, alors que t'en as besoin, tu abîmes ta vue encore plus vite. Et ou sans forcément abîmer ta vue, juste bah, ta santé. Et et, euh... et comment s'appelle Santé pas optique quoi. Et euh, bah, si j'ai un souci oculaire, je vous le dirai une fois que je suis allé les voir quoi. Mais j'avais été voir ouais, il y a deux ou trois ans. Je crois que c'était juste après le Covid. C'était juste avant, il y a longtemps. C'est longtemps. Et euh... ça bloque. Marker Shield. Et on m'avait dit non, non, il n'y a... a pas de galère. Juste euh... faire des checks de temps en temps. Du coup, je fais des checks de temps en temps. LOL. Un land, land drop 2. Bon, un peu chiant d'avoir perdu des landes. Ok, on retrouve un land initiative ou lien de vie. C'est pas mal, hein. 3-5 c'est un bon bord. Tu actives le filtre anti sur ton écran du mini la fatigue. Euh, je crois qu'il l'a, mais je sais pas s'il faut que je l'active. Sur mon, mon ou écran. Les autres ne l'ont pas. Mais celui du, euh, du milieu, il l'a, mais je sais pas s'il est activé. je check. Mmh. Désolé, je baille sur du goûter. Je goûte. C'est l'heure du baillet. Euh. On trouve un de terrain. Je pourrais juste foutre ça. Mettre 3 points. Euh, à partir de 3 wins, quand tu drafts avec des joueurs, c'est cool. Et sinon, quand tu full rare pick contre des bots, à partir de 0 win, c'est déjà bien. Le 2-2 pour 2 euh, Woodbass, salut à toi. Je crois que là, on fait ça. On hein. va mettre la pression. Bah il y a un effet mais c'est très... Euh, très, euh, très léger quoi. Oh, une de touche. touches. Relou. Mais on peut la tuer du coup. Je peux la tuer bourrée. Ouais parce que le, le land est doré quand il y a quand il n'est pas full art donc euh, ça se vaut mieux. Pour être fois budley. Et ouais ils ne se battent pas. Taillot. de pour deux, je l'ai bah l'ai pas testé en construit. Mais euh, je sais pas trop le foutre en vrai en construit. Par contre, il euh, y a de grandes chances que je me fasse un petit tribal ange du plaisir euh, en commandant multi un jour. Bon, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc je le fais. Je peux double bloquer. Mais je vais tuer son croco On va mettre les derniers points euh... oh, Ils ont rechangé mes slips hein. euh, Giada je crois Le 2-2 de pour 2, Ange jeu beau hein. mollo blanche exact ouais bagarre. tour prochain on pourra piocher avec notre land si on trouve lande et je crois qu'il est juste lose en fait ouais 3-1 Oh, je tente le 4-1 pour vous, il est 16 h 2 C'est terrible si... si je traîne. J'en ai pour combien de temps à y aller 16h30. Il oh, Faut vraiment que je la fasse ultra face. Je tente le 4-1 pour la prédiction, les gars. Salut matcha Macha. Ouais, je pense à vous dire au revoir euh... pendant la game. Du coup, ça c'est la game de trop, hein. je la reconnais. Alors cette extension eh ben elle s'annonce fameuse, elle n'a pas encore 24 heures donc c'est dur de te dire, de te dire vraiment euh, ce que j'en pense mais, euh, mais le limiter je le trouve très sympa. Et, euh, et le construit bah, de ce qu'on a pu voir en avant première euh, ça avait l'air vraiment bien. Ah ouais. Ouais, j'ai pas le temps je kiffe. Mets tes chaussures en jouant. Ah elles sont là bas. Hop le 2-2 pour 2, on va bourrer. En fait, autant les drops 2 sont importants et c'est notre passion un peu, autant il y a des 0-4 pour 1 qui sont bien à jouer. Donc, euh... donc je fais pas grand chose quoi. Je pourrais transformer un land en bleu pour faire ça, mais bon. donc, Cette 3-2 n'est pas très effrayante. Ouais, bah la, la magie des, des mécaniques, des couleurs et tout, tu peux faire tellement de choses, c'est trop bien. En 3 puntos. Pas de surprise. Euh, non, vu que j'ai plein de verre, je vais le mettre plutôt sur du... Du verre, en vrai. Mmh, je le mets sur lui-même. Pour bloquer sa 3-2. Je pas de bleu si jamais je joue mon adjudicateur de Spara. Donc, euh, on va commencer par les bagarreurs de salon. Il va peut-être faire. Euh... Ok, il passe son tour. Let's go. Il a sûrement gardé contre, ouais, voilà. Pour pas se rendre ça. Bon, ça me va. Ah, il n'y a pas de bête. Pas de bête, c'est ok. Ah, 3-3. 3-3 caca. Wow, si je transforme en 1 pour mettre 2, euh, autant mettre ça. Hein. Le stress est total ici. On me rendre compte que je m'étais trompé dans la prédiction de 30k sur la CL. Je pensais avoir lose et finalement non. Euh t'avais misé pour 3 victoires au moins ouais. Et bah GG. Alors là c'est ma bah, moyenne en, en scellé sur Arena, c'est rarement. Euh... Euh, vraiment 3-3 quoi. Oh 50% Arena c'est ok. Hein. Vas-y gagne ton petit PF je t'en prie. Je pense que Maestro c'est vraiment en dessous. Euh... En général, en, en draft. Uh. Alors là j'aimerais bien top des du bleu. Ça n'en est pas. Ça n'en est pas du tout. 4-5. Il y a quand même eu beaucoup de temps, l'adversaire, pour mettre une 4-5 portée piétinement. Sachant que je suis euh, vraiment euh, pressé. Alors que je tombais sur n'importe quel mec qui jouait vite, c'était bon. Hein J'aurais dû bloquer avant en fait. On peut prendre des gars, mais ça passe. Allez, du bleu parfait. On est à 12, putain, on, on la graisse depuis le début et on est juste à 12, quoi. Le petit zéro c'est ce qui fait plaisir. Ah, ça régale, ça, bonne Les bonnes 2000 gemmes qui dégagent, elles sont impeccables. Bon, en vrai, c'est tellement généreux euh, sur Arena... Le... pas généreux, et à la fois pas généreux que... Tu peux faire 0... Euh... 0.3 en CD et tu perds quasi que dalle, quoi. Ah, nickel. Ça, j'aimerais que ce soit une 1-1. Bon avec ça, garder ma 4-4 pour bloquer sa 3-3. Et je pense qu'on a perdu la 3 cartes en main. On a mis trop longtemps à trouver nos manas bleus et... et pouvoir jouer librement. 4, 5, 6, 7, 8. En plus on a beaucoup de land, on a la moitié des noms de notre deck. Il n'y a plus que 8 landes sur 25 cartes. Donc il y a moins d'une chance sur 3 d'en piocher un. Comme ce qu'on vient de faire. Pas besoin que le niveau global des cartes en reste plus élevé que les précédent. pas ah, de ouf. Les commodes notamment sont assez fortes. Ah, ça va nous grappiller à distance cette histoire là. Allez adversaire, s'il te plaît, tu mets vraiment 20 ans la vie, c'est super chiant. Parlante s'il vous plaît. c'est pas un land. C'est une créature avec laquelle je peux attaquer. L'échéance du démon, les cartes qui te dit que c'est en retard et j'avoue. Il y un flavor texte. Nuxis ne tente pas la main pour donner votre associé mais pour confirmer votre servissement. Stylé hein, ce hob. Pas sympa mais stylé. Ok, donc là il sacrifie ça, il, rep... il meule 4 cartes. Et on reprend. Oula, mais il a 9 cartes. Ça, ça se gagne à la meule, les poteaux. 7, il passe à 6. Ah notre board, il tient bon. Et 1-4, les 4-4, ça bug bien ce qu'il fait. Zone 3-3 lifelink. Ah il meule 2. Ok. Bon, il a vraiment la synergie euh, Ziz. Ah, mais ça c'est Double Strike, putain. Ok. Lourd. On va voir. Évidemment, il faut que, faut que ça se finisse à la meule. Genre, je lance une game, qui se finit à la meule. Okay, go. Allez s'il te plaît. Il aurait pu faire un tour je crois. Ah non c'est qu'un rituel. Il va le faire. Oh non, on est à 3 PEV. Putain, sur ces dernières cartes, il faut que ce soit ça, quoi. Ah bon, il est mort, je crois. Non, il peut pas libérer ça. Une au-dessus, une en dessous. Ok, c'est rigolo. Strike ce 2 quand t'as deux cartes. Elle ah, marque un bouclier. Ah ouais, c'est dès que ça subit des blessures. Ok. Oh, let's go. Je vais mettre des gros marqueurs sur euh... sur elle-même. Sur là-dessus Non, sur elle-même. Si je trouvais le land, euh, j'étais mort. Ça. Ah. J'ai une grande chance d'être mort. Il aurait pas dû attaquer, non. S'il attaquait pas, euh... je sais pas si je mourrais. Oh non. Bon, bah, je vais au top deck. Putain. Non. Yes. Yes. Je peux pas le faire droit Ah merde. Euh, lui, il va infliger sa force à ça. Quand il meurt, il se meule, puis il pioche. On l'a gagné. On l'a gagné. Yes. Prédiction. Je vous laisse. Oh là là, 56 qui ne croient pas en moi. Quel dommage, quel dommage. Ah là là, c'est 4 ou plus ici. On finira ce draft une autre fois. Parce que là, je dois vraiment me bouger le cul dans 15 minutes. Il y a quelqu'un qui me regarde les yeux. Des bisous à tous. On se revoit très prochainement. Demain c'est chaud. Peut-être dimanche. Dimanche c'est chaud. Peut-être demain, je ne sais pas. Des bisous à tous. On se retrouve. Euh... Euh, non, pas lundi, j'allais dire pour le vous au pire. Non, non, pas, pas recevez-vous lundi. Donc, euh, donc euh, décalé à la semaine prochaine. Donc je ne sais pas. Bref, bisous. Prenez soin de vous. Passez un très bon week-end si on se revoit pas. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.